Bonsoir à vous tous et merci pour votre présence à cette table ronde, cette conférence, on l'appelle comme on veut, sur un sujet un petit peu effectivement inédit et peut-être délicat, mais en tous les cas, on va pouvoir échanger à ce sujet-là ce soir. Alors, on va commencer par une brève présentation des personnes qui sont autour de la table. Après, je vous prendrai la parole pour expliquer un petit peu pourquoi ce projet-là, pourquoi on creuse et comment, et à quel moment, effectivement, comment c'est arrivé. Après, il y aura un petit documentaire qui a été fait par la radio-télévision suisse, qui est très, très bien fait, donc qu'on va vous présenter. Et puis après, il y aura des interventions, effectivement, de l'association Normal, ici présente, qui est co-organisatrice de la soirée. Je remercie Christophe Bréchard, directeur du cinéma, de nous accueillir aussi, donc chez lui. Le cinéma, c'est aussi un lieu de débat, c'est en tous les cas très important que l'on puisse aussi avoir ce genre de discussion dans les cinémas. Merci aussi à l'association Le 400 qui va retransmettre en direct sur Facebook Live effectivement toutes les interventions. Ça veut dire que pour vous demain, si ça vous intéresse, si vous avez échappé des choses, vous pourrez toujours aller revoir parce que ça sera gardé effectivement sur Internet. Voilà, donc il y a certainement aussi d'autres remerciements à faire, j'en oublie. Donc, l'association Normal est là. Il y a l'association AMPA aussi, qui est l'association nationale de prévention de l'alcoolologie et de l'addictologie, qui est présente dans la salle et qui pourra prendre la parole. Il y a des médecins, le professeur François Vincent va arriver tout à l'heure, et qui est professeur de médecine au CHU de Limoges. Voilà, il y a aussi des témoignages de patients qui seront faits ce soir, des agriculteurs aussi qui sont présents dans la salle. Merci à eux, parce que ceux qui sont présents dans la salle, une partie sont ceux qui ont cru dès le début à cette possibilité dans le cadre de la diversification agricole. Savoir qu'on est un territoire effectivement agricole quand même, dans l'économie, c'est un quart à peu près de l'économie creusoise, où on a chez nous des gens qui travaillent 50, 60, voire 70 heures par semaine et qui gagnent moins de 1000 euros par mois. Ça, c'est une réalité très importante de notre territoire. Donc, il faut aussi les prendre en charge, parce que si on ne s'occupe pas d'eux, avec eux, bien sûr, eh bien, peut-être que demain, il n'y aura plus d'agriculteurs chez nous. Imaginez dans nos campagnes, dans nos paysages, de ne plus avoir d'agriculteurs. Et dans notre économie, bien évidemment, ça serait une catastrophe. Voilà. J'ai à excuser aussi Jean-Baptiste Moreau, député qui ne peut pas être là ce soir, mais qui sera représenté par Vincent Turpina, qui ne va pas tarder à arriver. Voilà, donc j'en oublie, excusez-moi. Je passe tout de suite la parole, on se présente. Et puis après, je vais expliquer un petit peu l'historique et on regardera le documentaire. Merci Eric. Merci à vous d'être ici ce soir, aussi nombreux. On peut constater qu'effectivement le sujet intéresse en France et tout spécifiquement en plus en Creuse. Donc moi je me présente, je m'appelle Florent Buffière, je suis responsable de la communication de l'association Normal. Donc Normal c'est quoi? C'est National Organization for Reform on Marijuana Laws, donc c'est une organisation américaine qui date de 1970. On est le chapitre France de cette organisation internationale désormais. Et nous clairement, notre but c'est la réforme pour la loi sur les stupéfiants, et en particulier le cannabis, et la première urgence, le cannabis thérapeutique. Donc nous, on est venu, on s'est associé effectivement en soutien à l'initiative de Eric Correa, parce que c'est une initiative qui est courageuse. Il faut savoir que Eric a eu le courage de mettre vraiment les pieds dans le plat, clairement, sur cette question-là, qui est sans arrêt débattue. On sent que c'est un marronnier qui revient chaque année. Quand l'actualité n'est pas très chargée, on ressort l'actualité cannabis et on parle toujours du cannabis d'une certaine façon, à savoir les risques, à savoir le danger du cannabis, le méchant cannabis. Alors j'espère que ce soir, on va pouvoir vous donner une autre vision du produit, une autre vision aussi de l'accès, de faire un peu la promotion de l'accès au cannabis thérapeutique. Mais surtout, j'espère que ce soir, on va pouvoir débattre sereinement et parler sainement du cannabis et des politiques qui sont liées au cannabis dans leur ensemble. Voilà, je vais passer la parole à Béchir, notre responsable des affaires juridiques. Et par la suite, il y aura le docteur Olivier Bertrand qui va arriver, qui a été interviewé, je pense, et qui arrive. Installe-toi, s'il te plaît, Olivier. Voilà. Merci à vous encore et à tout à l'heure, je m'occuperai de la première présentation où je vais faire une présentation plus générale sur le cannabis, sur l'histoire du cannabis au sein de l'humanité et les différentes lois qui ont été mises en place pour mettre à mal le cannabis, pour mettre en place l'interdiction du cannabis. Et là, on va discuter de comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être réintroduire le cannabis dans nos sociétés modernes. Merci à vous. Bonsoir, moi c'est Béchir Ouderbala, donc je suis en charge des affaires juridiques et politiques au sein de Normal France. Monsieur le Président, d'abord un grand merci pour cette invitation. Alors on a,
On vient tout droit pour la plupart de Paris et c'est un immense plaisir que vous soyez aussi, de voir aussi une salle aussi nombreuse sur un sujet aussi délicat et difficile parfois. Donc nous sommes là pour répondre à vos questions, pour essayer de voir si certaines zones d'éclaircissement peuvent apparaître dans le débat. Et donc n'hésitez pas aussi de votre côté à poser des questions, à au moins les noter pour que nous puissions en parler plus tard. Et donc moi, mon travail au sein de Normal France, c'est de m'occuper de toutes les questions juridiques. Donc en fait, je m'occupe de la préparation des propositions de loi, des amendements. Nous travaillons avec les députés au quotidien sur ces questions-là. Et donc ça va me permettre aussi aujourd'hui de pouvoir présenter cet aspect-là. En tout cas, un grand merci à M. Correa, qui est ici courageux, déterminant dans cette action et qui va sans doute faire de grandes choses en Creuse, et on l'espère. Et en tout cas, on vous remercie pour l'invitation. Il ne faut pas oublier que si on y arrive, c'est collectivement, hein, parce que sinon... Bon, bonjour, merci à tous d'être aussi nombreux. Ça fait plaisir à voir. Moi, je suis médecin généraliste, addictologue et cofondateur de l'association Normal France. Donc, je m'occupe de la commission santé, où on fait du soutien médical. Et avec la commission droit, on prépare le lobbying politique pour faire avancer les lois sur cette question. Bien, merci. Merci à vous tous. Donc le but est d'essayer d'être le plus rapide possible dans toutes les présentations qui vont vous être faites, parce que ce qui nous intéresse, c'est après l'échange qu'il peut y avoir et les questions-réponses entre la salle, et bien évidemment, et des spécialistes qui sont autour de moi, parce que je ne suis pas un spécialiste du chanvre, ou thérapeutique, ou du cannabis, c'est la même chose. Voilà, donc juste refaire un petit peu l'histoire, donc même si maintenant elle commence un peu à être connue, donc... d'abord, vous parlez effectivement pourquoi proposer aujourd'hui en Creuse la possibilité de pouvoir cultiver du cannabis thérapeutique. Donc il se trouve que mon métier, parce que élu n'est pas mon métier, et élu ne devrait pas être un métier, donc je suis infirmier anesthésiste depuis plus de 20 ans. Effectivement, je prends en charge des patients en douleur aiguë, donc à l'hôpital. Peut-être que certains d'entre vous ont malheureusement dû à un moment donné se faire opérer. Il faut savoir que quand on se fait opérer, on a mal. Et quand on a mal, on utilise des puissantes drogues, médicaments, tels que la morphine, le sufentaf, enfin, on voit des drogues très puissantes pour calmer la douleur. Puis il se trouve que aussi dans mon parcours professionnel, j'ai été amené à prendre en charge des patients qui avaient des douleurs chroniques. Donc quand je vous parle de douleurs chroniques, eh ben, c'est multiple et varié. Ça peut être des douleurs du dos suite à des patients opérés. Ça peut être des gens qui ont des scléroses en plaques. Ça peut être des gens qui ont des fibromyalgies. Ça peut être des gens... effectivement, qui ont d'autres pathologies, notamment souvent neurologiques, et qui souffrent et qui sont à la maison. Et au fur et à mesure, effectivement, de la prise en charge de ces patients-là, eh bien, j'ai pu rencontrer certains qui me disent bah, écoutez, moi, c'est bon, tout ce que vous m'avez prescrit dans la pharmacopée aujourd'hui qui existe, eh bien, j'ai tout arrêté, et sur conseil d'un ami ou en allant voir sur Internet, etc. etc. Donc, je fume maintenant du cannabis et c'est ça qui me fait du bien. Donc, quand vous avez un témoignage comme ça, puis deux, puis trois, puis quatre, effectivement, ça vous amène effectivement à voir les choses différemment de ce qu'on peut vous enseigner à un moment donné dans votre parcours aussi de formation. Parce que le cannabis a toujours été enseigné de manière que c'était une drogue et dangereux, et notamment dangereux chez le jeune. Alors, ça reste effectivement chez l'adolescent peut-être, mais ça, le médecin nous expliquera. Voilà, donc vous avez un regard complètement différent. Et quand un patient vous dit, bah, moi, j'ai arrêté tous les produits qu'on m'a prescrits parce que j'étais complètement détraqué, je vomissais le matin, je me levais une demi-heure après, j'étais fatigué, il fallait que je retourne au lit, je ne pouvais plus manger, j'avais une asthénie, etc. etc. Ben, qu'est-ce que vous dites? Surtout, continuez. Ben, voilà, si ça lui fait du bien, il faut absolument continuer. Je rappelle que le serment d'Hippocrate ou l'engagement au niveau, effectivement, cher Olivier, oblige quand même les praticiens à tout mettre en œuvre pour que des patients soient mieux pris en charge. Donc c'est vraiment tout ça, ce constat. Et il se trouve que dans mon entourage aussi d'amis et de copains proches, eh bien, il y a des gens qui sont atteints de maladies chroniques comme la sclérose en plaques et qui témoignent de plus près en disant qu'effectivement, il n'y a que ça qui leur fait un bon effet. Donc il faut écouter effectivement toujours ces patients. Voilà, donc il y a ça. Et puis au fur et à mesure que l'on rencontre de plus en plus de témoignages, on se dit mais c'est quand même pas possible. Aujourd'hui, non seulement ces patients-là prennent le cannabis de la plus mauvaise des manières, c'est-à-dire en fumant, parce que fumer reste dangereux. Je ne me rappelle pas le nombre de cancers du poumon qu'il peut y avoir, mais fumer reste dangereux. Et qu'aujourd'hui, la meilleure façon de prendre du cannabis thérapeutique, encore une fois, c'est des gouttes, c'est des pâtes, c'est où on se spray. Donc c'est ça qui est le plus important. Et deuxièmement, il se trouve qu'en 2017, la Creuse a beaucoup souffert. Une entreprise qui s'appelle GMS, à la souterraine, et on peut leur rendre hommage, a perdu 157 emplois. Et quand une entreprise en Creuse perd 157 emplois,
c'est un drame, non pas que pour la souterraine, mais c'est un drame pour la Creuse, parce que chaque emploi compte. Donc ça a été terrible. Il y a eu une très forte mobilisation des ouvriers de cette usine-là, des représentants syndicaux, de la population, des élus. Et nous avons été reçus au mois d'octobre 2017 par le président Macron, et qui nous a dit très simplement, après une discussion, bah, écoutez, faites-moi des propositions pour la Creuse, qui pourraient développer économiquement ce territoire-là, qui pourraient aussi faire venir de nouvelles populations. N'hésitez pas à être innovant, à être parfois, pourquoi pas, extra-légal, et toutes les propositions seraient examinées. Et là, tilt, au croisement de mon engagement professionnel et de mon engagement politique, je me suis dit, ben voilà, le cannabis, en regardant ce qui se passe ailleurs, en Europe et aux États-Unis, savoir que les États-Unis, encore une fois, c'est plus de 30 États, je crois, qui ont légalisé le cannabis d'un point de vue thérapeutique et récréatif. En Europe, il y a l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne qui a légalisé au mois de janvier 2018 par un vote au Parlement à l'unanimité, les Pays-Bas, les Anglais qui utilisent le cannabis depuis des années aussi de manière thérapeutique, la reine Victoria soignait ses maux de tête avec du cannabis. Voilà, d'autres pays effectivement utilisaient tout ça, donc je me suis dit, mais voilà, dites, proposons ça au président Macron. De pouvoir expérimenter en Creuse non seulement la production, mais le développement de toute une filière autour du cannabis, c'est-à-dire la transformation en huile, en produits pour effectivement le bien-être et les médicaments, en Creuse. Ça va créer de l'emploi, ça c'est très important. Et en même temps, et surtout, parce que quand même le but est avant humaniste, ça répondra à une demande de la population, parce que c'est complètement scandaleux que des gens soient obligés de se mettre dans l'illégalité pour pouvoir se soigner. Voilà, ça c'est effectivement, il faut arrêter cette hypocrisie en France. Donc voilà comment est née un petit peu la proposition que j'ai faite. Alors à titre individuel, parce que c'est toujours un peu délicat, effectivement, nous avons fait bien d'autres propositions et des élus ont fait d'autres propositions dans le cadre de ce plan particulier pour la Creuse. Mais comme je ne souhaitais pas engager mes collègues élus, parce que je n'en avais pas forcément parlé avec eux avant, je l'ai fait à titre personnel. Comme ça, effectivement, je n'engage personne d'autre. Donc c'est vrai que parfois on peut se retrouver un peu seul dans la vie politique, mais bon, ça c'est une question... Voilà, d'habitude. Et puis, petit à petit, effectivement, il y a aussi une prise de conscience. Donc, j'en ai parlé à notre député, Jean-Baptiste, qui est représenté par Vincent. Si tu veux venir t'asseoir avec nous, je crois qu'on a un siège là-bas. Qui représente. Donc, voilà, donc, qui lui, il se trouve, effectivement, Vincent est infirmier addictologue. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour convaincre notre député, qui calcule très vite quand même, parce qu'effectivement, il est ingénieur agronome, il a bien vu aussi les intérêts économiques qu'il pouvait y avoir, tout ça. Voilà, donc nous sommes maintenant quelques-uns élus sur la Creuse. Il y a effectivement aussi des élus de l'agglo que je remercie pour leur présence. Il y a d'autres élus dans la salle aussi qui sont là, donc Jérôme qui est aussi conseiller régional. Voilà, donc c'est une mobilisation de tous. La mobilisation de la population et des citoyens, bien évidemment, elle est très importante. La mobilisation des patients, pour eux, c'est pas facile parce que ça veut dire qu'à un moment donné, ça passe par avouer le fait qu'à un moment donné, eh bien, soit ils se fournissent voilà, de leur propre manière, soit ils achètent à l'étranger sur des sites suisses, sur des sites anglais, un certain nombre de produits qui les aident à mieux vivre leur quotidien, parce que c'est ça. Voilà, donc c'est la mobilisation de tous qui fera qu'à un moment donné, on pourra avancer. Alors j'ai fait cette proposition-là qui, à un moment donné, est partie dans la presse au mois de février, donc c'était pas voulu, mais finalement, ça a plutôt servi et ça a fait un buzz. Et aujourd'hui, les médias nationaux s'intéressent à tout ça, mais ils s'intéressent à tout ça parce que c'est une vraie cause, encore une fois, c'est une vraie cause pour les patients. Voilà, donc merci à vous tous pour votre présence. Parce que c'est très, très important. Imaginez s'il y avait deux personnes dans la salle, je crois que le projet, ça serait déjà terminé. Mais c'est un projet vraiment pour les patients et un projet aussi pour la Creuse. Parce que ça suffit, encore une fois, cette hypocrisie. Il faut maintenant avancer. Dans 2 ou 3 ans, je suis persuadé que de toute façon, on aura des médicaments issus du cannabis en France. Il y en a déjà, parce qu'on achète sur les plateformes, sur Internet. Il y en aura beaucoup plus. Mais tous les emplois se seront développés dans tous les pays qui nous entourent, sauf chez nous. Et moi, je pense aux agriculteurs creusois qui ont un savoir-faire. Il faut savoir que le chanvre, il y a 100 ans, on en produisait partout en Creuse, mais ils sont dans la salle. Donc, il y a Marien Sablerie qui est là. Il y a Joanie Chatou aussi qui a étudié la question qui est ici. Il y en a d'autres qui sont présents, donc qui pourront expliquer bien mieux que moi. Je ne suis pas un technicien sur le chanvre, mais effectivement, de l'intérêt de cette plante. Voilà. J'arrête. On passe sur le documentaire qui va vous présenter, qui est encore une fois de la radio-télévision suisse. Et après, Florent prendra la parole, Olivier, Béchir, et puis après, bien sûr, les échanges. Et qui veut prendre la parole pourra le faire. Voilà. Merci encore une fois à tous. Christophe, que je remercie vraiment de nous accueillir.
Alors, il faut savoir qu'il y a des personnes qui, malheureusement, sont dehors, ne peuvent pas rentrer. Bon, c'est dommage, mais ils peuvent aller voir maintenant en direct sur Internet. Christophe, tu envoies le... Merci. On vous l'a promis, le voici, le mode d'emploi du CBD ou cannabis légal. En effet, la loi est claire, si le cannabis contient plus de 1% de THC, la substance qui rend stone, il est illégal. Donc, par déduction, les producteurs de cannabis se sont dit que si un plant contient moins de 1% de THC, il est OK. Logique. Si on considère la plante comme une drogue, on se dit qu'un produit qui contient moins de 1% de la substance active n'a aucun intérêt. Mais c'est faux, car la plante contient une centaine de cannabinoïdes dont on étudie actuellement les effets thérapeutiques. Parmi eux, le CBD. Vu comme une plante médicinale, le cannabis riche en CBD devient tout à coup très intéressant. La ruée sur le CBD pour soigner toutes sortes de maux n'avait sans doute pas été prévue par nos autorités ni par les médecins. Alors si l'herbe à forte teneur en CBD est assimilée à du tabac, ses dérivés sous forme d'huile, de pâte, de gélules ou de pâtisserie n'ont simplement aucun statut pour le moment, ni médicaments, ni compléments alimentaires, personne ne sait dans quelle catégorie les ranger. Qu'importe, car la question ce soir c'est « est-ce que ça fait effet ?» Réponse avec Lison Méric et Ventura Samara. C'est extrêmement dur actuellement à pouvoir gagner sa vie en faisant que de la restauration de meubles. Je faisais mon métier, je le fais presque plus parce que ben, y a plus de travail, quoi. Dans une zone industrielle genevoise, cachée au fond d'un atelier d'ébénisterie et installée sous des lampes qui imitent parfaitement la lumière du soleil, ces plantes de cannabis n'ont rien de clandestin. On va les arroser d'ici ce soir, on va être obligé. Il y a quelques-unes qui sont lourdes et quelques-unes qui sont très légères. Une belle récolte. Ouais. Je cultive du cannabis pour le CBD. Le cannabis légal, ce qu'on appelle actuellement, ce qui se vend actuellement sur le marché, et pas le THC qui est vendu au noir, quoi. À l'œil, rien ne distingue une plante de cannabis légale d'une illégale. La différence est dans la loi. En Suisse, le cannabis est interdit s'il contient plus de 1% de THC, la substance qui en fait une drogue. La loi ne dit rien des plantes qui contiennent moins de 1% de THC. Le THC, c'est la molécule psychoactive du cannabis. Mais la plante contient 60 autres cannabinoïdes. Parmi eux, le CBD ou cannabidiol, auquel on prête des vertus médicinales. Par hybridation, on peut sélectionner des plantes de cannabis qui sont à la fois pauvres en THC et riches en CBD. Alors le THC, le plus haut que je suis monté, c'est à 0,97. On est presque arrivé dans le 1. Et le plus haut en CBD, c'est 21,6. Un cannabis qui remplit les conditions pour être commercialisé dans une de ces boutiques de CBD qui ont fleuri dans les villes suisses. Avec un look convivial et rassurant, elle se démarque de l'univers du deal de rue. Notre produit phare, c'est la Geneva Ed, donc qui est cultivée ici à Genève. Le prix est de 14 francs le gramme. C'est très élevé en CBD. Des produits très surveillés. Pour chaque lot, l'Office fédéral de la santé publique exige l'analyse des substances que la plante contient. Et nous, on les fait de toute façon pour être sûr que notre produit ne contienne pas plus de 1% de THC, sinon bien sûr ça serait du stupéfiant. Bien sûr, ça, ce sont des laboratoires qui sont certifiés par l'État et qui nous permettent de garantir le produit que nous avons. Dans le marché noir, on est entre, on va dire, en moyenne à 25% de THC, donc c'est extrêmement fort. Donc les gens ne le supportent plus, donc ils viennent chez nous pour pouvoir fumer leur joint sans avoir les effets psychoactifs. Et du coup, ça leur plaît. Et après, on a l'autre partie des personnes qui viennent là pour un côté, on va dire, thérapeutique. Donc ils sont plus à la recherche de tout ce qui est huile et comestible pour justement soigner des douleurs ou des problèmes de sommeil ou tout simplement pour se décontracter parce que c'est des gens très stressés. Au début de ses études de médecine, Julia a subi un traumatisme crânien suite à un accident. Elle avait 20 ans. Bonjour.
Bonjour Julia, comment ça va? Bien, et super, vous? Super, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, j'aimerais, comme d'habitude, des gouttes, mais je crois que vous avez plein de nouveaux produits. Donc, on a celle-ci qu'on a d'habitude, oui, qui est à 13%, mais on a aussi maintenant le 20% et le 47%. Celle-là que j'ai l'habitude. Voilà, elle marche bien, elle fonctionne bien, ouais, comme tu me l'as dit. Donc, maintenant... continue là-dessus. Les cookies, voilà, alors c'est infect ou pas trop? Non, alors justement, l'avantage des cookies et des chocolats, c'est que ben, dedans, il n'y a pas le goût de cannabis. Voilà, ça fait un total de 144 francs, s'il te plaît. On pensait effectivement qu'au début, on allait quand même avoir une clientèle relativement jeune. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Nous visons là, actuellement une clientèle qui se situe entre 35 et 80 ans. Malgré l'accident, Julia a terminé ses études et s'est spécialisée en rééducation. Elle porte un double regard sur les effets du CBD, celui du médecin et de la patiente. Elle a tenu à nous montrer le temps que lui prennent les moindres gestes du quotidien. J'ai des spasmes dans les jambes. C'est pas franchement douloureux, mais c'est juste intolérable. Vous avez, ça vous crispe parce que vous avez envie de bouger, vous ne pouvez pas faire autrement que de bouger. Julia a bien essayé plusieurs médicaments pour soulager ses spasmes, mais leurs effets secondaires l'ont poussée à les abandonner. Le CBD, finalement, est le moyen qui agit le plus vite et le mieux. Et avec le cannabis, moi, j'ai l'impression que je ne vais pas interférer avec ma chimie interne. On m'a dit dans le magasin d'en mettre 8 gouttes. 8. Vous avez compté 9, mais en fait, il y en a une qui est partie à côté. Alors, ça sent pas très, très bon. Et ça, cette allure-là. Et voilà. Et là, c'est surprenant parce que ça commence déjà. Je commence déjà à me sentir... très cool, et puis me sentir, avoir, ce qui m'ennuie clairement c'est de trembler, et j'ai, peut-être que je tremble un petit peu moins, c'est probablement subjectif, peu importe. Quelques minutes après la prise de CBD, Julia répète pour nous les mêmes gestes qu'avant notre entretien. Alors, on va voir si ça tremble moins qu'avant. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile. On ne va pas chronométrer, mais je crois que... il n'y a pas photo. Des vidéos de guérison miraculeuse grâce au cannabis, on en trouve par dizaines sur Internet. Mais même si on prête toutes les vertus au CBD, les études scientifiques sérieuses manquent cruellement à son propos. À l'enthousiasme des patients répond souvent l'embarras des médecins, y compris celui de la docteure Barbara Broers, pourtant ardente défenseuse de l'usage médical du cannabis. Avec la recherche actuelle qu'il y a sur le sujet, je ne vais jamais recommander d'utiliser cette substance parce qu'on n'a pas assez de données à long terme, ni sur les interactions, ni sur le dosage exact qu'on doit proposer. Toutefois, je peux discuter avec les patients de c'est quoi le CBD, c'est quoi les cannabinoïdes et pourquoi, oui ou non, ça pourrait éventuellement aider dans leur situation spécifique. Ce qu'on sait actuellement, c'est que le CBD a certains effets, hein, peut-être contre l'anxiété,
dans le domaine immunitaire, dans le domaine oncologique, dans le domaine de l'épilepsie, voilà. Et qu'il y a le THC qui a des effets pour des nausées et des vomissements et pour des contractions musculaires. Et pour certaines personnes qui tolèrent mal les traitements standards, des médicaments à base de cannabinoïdes peuvent vraiment être des médicaments intéressants. Depuis une vingtaine d'années, on découvre que notre corps produit des substances très similaires aux molécules actives du cannabis. C'est ce que l'on appelle le système endocannabinoïde. Cette équipe de chercheurs l'étudie pour comprendre le rôle qu'il joue dans le cerveau et le système nerveux. Les cannabinoïdes produits par notre corps proviennent d'acides gras, mais leurs effets sont très similaires. Si ce n'est que le THC prend beaucoup plus longtemps à être éliminé par le corps. L'effet de nos propres cannabinoïdes s'installe très rapidement et disparaît tout aussi rapidement. Mais c'est vrai, tous les tissus de notre corps produisent des endocannabinoïdes. Le système endocannabinoïde est impliqué dans de nombreux processus. Pour résumer, on pourrait le qualifier de mécanisme anti-stress du corps. Chaque fois que vous êtes stressé, et pas uniquement sur le plan cognitif, il peut s'agir de stress inflammatoire ou de stress oxydatif, ce système s'active et sa mission consiste à rétablir un équilibre corporel qu'on appelle l'homéostasie. Le système endocannabinoïde explique probablement l'effet que le cannabis produit sur le corps humain. Et même si l'on oppose généralement le THC psychoactif au CBD qui ne l'est pas, leurs molécules chimiques sont quasiment identiques, à une petite différence près, signalée en rouge sur l'image. Le CBD est un précurseur du THC. La différence est que dans sa structure moléculaire, le cannabidiol a deux anneaux et deux atomes d'oxygène saillants, alors que le THC possède trois anneaux. Cette toute petite différence a des conséquences énormes. Le CBD agit aussi sur les récepteurs des cannabinoïdes dans le cerveau. Il se lie à ses récepteurs, mais à un endroit différent, où il inhibe l'effet du THC. C'est plutôt un antagoniste du récepteur CB1 des cannabinoïdes, alors que le THC active ce récepteur. Il y a donc deux effets contraires. 2, 3. À 37 ans, Elder vit depuis 2 ans avec une insuffisance rénale due à une maladie génétique. Tous les 2 jours, pour que son corps fonctionne, il passe de longues heures en dialyse. Sa maladie entraîne diverses douleurs. Des migraines, douleurs articulaires, musculaires, des crampes, beaucoup de crampes la nuit. Pour soulager ses douleurs, Elder a multiplié les médicaments, dont des dérivés de morphine, comme le Tramal. En tout, j'en avais une bonne 15 par jour. Ça ne me correspondait pas du tout, parce que je me trouvais toujours avec des nausées. Pas possible toute la journée. Des somnifères, j'en ai pris pendant 2 ans, du Dormicum. Et puis ça me correspondait pas vraiment non plus. C'était aussi efficace, mais... Le lendemain, je me souvenais pas de la moitié de la soirée. Je commençais à sentir un espèce de manque, ou d'attachement plutôt. Avoir besoin à chaque fois, un petit peu plus. C'était vrai, voilà. Pas très envie de rentrer dans un cercle vicieux comme ça. Pour éviter cet engrenage, Elder se tourne vers le cannabis. Celui qu'il achète au marché noir et qui contient plus de 1% de THC. J'ai tout jeté à la poubelle. Du jour au lendemain, j'ai supprimé les opiacés par du cannabis. Et c'est très efficace. J'ai plus de problèmes d'effets secondaires, j'ai plus de nausées. Et ça me permet de tenir la journée en forme. C'est ça, mon petit rituel. Je me fais ma petite tisane. Et je la sirote devant la télé comme une tisane normale. Et voilà, je regarde un film. Puis une fois que j'ai sommeil, je vais me coucher. Et je dors comme un bébé. Elder n'a pas caché sa consommation de cannabis à ses médecins traitants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Ceux-ci lui proposent de remplacer son herbe de contrebande par la version médicale du cannabis. Délivré sur ordonnance, avec une autorisation spéciale de l'OFSP et de son assurance maladie. Voilà, il est dosé à 11 mg de THC et 24 de CBD. Je dois prendre 25 gouttes le soir à la place de la tisane. Ça se passe comment ? Alors pour le moment, c'est encore assez nouveau. J'arrive pas vraiment à me faire encore un avis.
C'est assez différent du cannabis normal. C'est moins fort. Et j'ai pas cet effet somnifère. Ça, c'est dommage. À part ça, pour les douleurs, c'est vraiment... Ça marche très très bien. Puis c'est un produit qui peut se prendre aussi la journée parce qu'il n'y a pas vraiment d'effet psychotrope. Dans une vallée bucolique du canton de Berne, la petite ville de Langnau est aussi la capitale suisse du cannabis médical. C'est dans cette pharmacie que Manfred Fankhauser prépare la plupart des prescriptions de cannabis sur ordonnance délivrées en Suisse. Il propose plusieurs formes. Du THC pur, appelé dronabinol, du CBD pur, ou encore des extraits de cannabis tirés de la plante elle-même qui combinent les deux substances. Un marché en pleine expansion. Cela a fortement augmenté au cours des dernières années. En une année, le nombre de patients a presque doublé. On a constaté une augmentation énorme pour presque tous les produits. Le dronabinol, le CBD, la teinture, l'huile, toutes les préparations. Précédemment, l'initiative venait pratiquement toujours du patient. Le patient allait trouver son médecin qui lui répondait « Je ne connais pas ce produit, je ne sais même pas si c'est autorisé ». Ces dernières années, la connaissance en la matière des médecins a nettement augmenté. Il y a eu des comptes rendus, de nombreux articles scientifiques dans la presse spécialisée. On le remarque aujourd'hui, les médecins s'adressent fréquemment à nous. Des spécialistes des cliniques universitaires qui se renseignent pour un de leurs patients, qui aimeraient essayer et qui demandent comment procéder. Des spécialistes qui répondent à la demande de leurs patients, mais qui restent toutefois prudents. Je pense que le potentiel du cannabis est en partie surestimé. On a parfois l'impression que le cannabis convient à tous, je ne le crois pas. J'estime que c'est un médicament très précieux, mais pas pour tout le monde. Tu veux faire des pâtes ? Oui ! Avec des lardons ? Et de la viande ! Ah bah oui ! Dans le cas d'Elder, le cannabis médical lui permet d'attendre, sans trop d'inconfort, qu'on puisse lui greffer un rein. En ce moment, je vois pas trop d'avenir. Je vis au jour un peu le jour le jour. Enfin, les dialyses, c'est un peu comme un travail, du coup, un travail à mi-temps, parce que je passe quand même beaucoup de temps là-bas. Et puis le reste du temps, j'essaie d'avoir la vie la plus active possible la journée. Je gagne quand même un peu de forme. Parce que la journée, j'ai pas de nausée la journée, donc je reste actif. Je peux prendre la voiture, je peux aller me la promener, je peux aller au parc. Je reste fatigué quand même, mais la fatigue, elle est beaucoup plus supportable. Bah oui, tu dois m'emmener à l'école, par exemple. Bah oui, je suis bien obligé de t'amener à l'école, sinon tu vas faire comment? Bientôt, tu iras toute seule, t'inquiète pas. Le cannabis thérapeutique jouit d'une image très positive, parce qu'on y voit un produit naturel qui est jugé à la fois efficace et inoffensif, contrairement aux médicaments dont on se méfie de plus en plus. Cet engouement oblige les médecins à passer outre les lacunes des études scientifiques. La base scientifique, elle va toujours nous manquer. Même pour des médicaments qu'on croit très bien connaître, on découvre des mécanismes, on découvre des effets secondaires tardivement. Donc le fait de manquer complètement de base scientifique pour le CBD, ce n'est pas un argument qui est suffisant. L'expérience des autres, d'avoir au moins des études rétrospectives ou des collections de patients, c'est déjà utile pour aider à trouver et à guider le patient dans sa thérapie. Guider le patient, c'est l'attitude pragmatique qu'a choisi d'adopter ce spécialiste de la maladie de Crohn. Une inflammation auto-immune des intestins qu'on ne sait pas guérir, mais que le CBD semble capable de soulager. Il y a pas mal de littérature qui sort actuellement, il y a différents effets qui se superposent. On pense quand même de plus en plus sérieusement que le CBD qui est dans le cannabis a un effet anti-inflammatoire vrai. On l'a montré dans des modèles animaux où on peut calmer l'inflammation, dans des modèles d'arthrite, dans des modèles d'autres inflammations. Mais c'est aussi antalgique,
ça diminue les douleurs, qui est quand même un symptôme cardinal de la maladie. En plus de ça, ça diminue la motricité du transit, donc une autre caractéristique de la maladie qui sont les diarrhées, peuvent être améliorées par un effet pharmacologique sur le transit. Cette patiente du docteur Michetti a pris l'initiative de se soigner avec du CBD. Vous avez tenu à faire ce témoignage à visage caché. Qu'est-ce que vous craignez en disant que vous utilisez du cannabis thérapeutique ? De ne pas être prise au sérieux par la suite par rapport à mon travail et d'être vue simplement comme une toxicomane au lieu d'être vue comme quelqu'un de malade et qui se soigne. Nora tient à travailler malgré sa maladie de Crohn. Les dérivés de morphine l'empêchaient de le faire, alors qu'avec du CBD, elle garde toute sa capacité de concentration. Or, ça ne m'enlève pas complètement les douleurs, mais ça va m'aider à les supporter. Vous en prenez à quelle fréquence ? Quand j'ai mal. Ça va dépendre si je suis au travail ou pas. Quand je travaille, je ne vais pas pouvoir fumer. Donc, je vais le prendre plutôt en huile, sous forme de gouttes, directement dans la bouche. Quand je ne travaille pas à la maison, ça sera sous forme de joint. Est-ce que vous voyez une différence sur votre maladie de Crohn ? Oui. Oui, parce que je ne vomis plus au jour d'aujourd'hui, alors qu'avant je vomissais tous les matins. J'avais énormément de diarrhée que je n'ai plus au jour d'aujourd'hui, ça devient épisodique. Et là, le médecin qui vous suit pour la maladie de Crohn, lui aussi, il vous conseillait de prendre du CBD ? Il m'a dit, ça marche, alors continuez. Outre le CBD, un médicament immunosuppresseur appelé anti-TNF stabilise la maladie de Crohn de Nora. Mais l'effet d'une injection de ce produit ne la soulage pas assez longtemps. On avait déjà fait, je dirais, 90% du chemin avec les anti-TNF. Mais on plafonnait un peu avec ses traitements. Et finalement, elle a trouvé là une marge qui lui permettait de récupérer son confort de vie, sa capacité de travail pleine, sa capacité de loisir. Son usage du CBD nous a fait le dernier 10% qui nous manquait pour qu'elle soit bien. Quand vous avez une maladie chronique, il y a une autre motivation un peu plus profonde. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Plus les médicaments deviennent techniques, plus vous êtes dépendant du docteur, plus vous êtes un objet et plus un sujet. Et il y a ce besoin aussi des patients de reprendre une dimension de contrôle sur ce qui leur arrive, sur ce qu'ils ingèrent. Et je crois que c'est utile aussi de leur laisser cette dimension. Je pense que si la médecine s'emparait du CBD, on gagnerait peut-être en science, mais on retirerait aux patients cette dimension de s'aider eux-mêmes et d'avoir une part de contrôle sur leur maladie et leur traitement, qui je crois est importante. Difficile donc de savoir si on parle d'une mode, d'un placebo ou d'une plante médicinale aux effets biologiques que l'on peut mesurer si on prenait la peine de le faire. Mais il n'existe pour l'instant aucune étude scientifique sur les effets à long terme du CBD, ce qui n'empêche pas ceux qui en ressentent le besoin de le tester. Après tout, il est en vente libre et les spécialistes des substances addictives sont plutôt rassurants. La consommation de cannabidiol aurait peu ou pas d'effets secondaires du moment qu'il n'est pas fumé. Et s'il peut rendre la vie un peu moins dure à ceux qui souffrent, pourquoi pas ? La suite du reportage. Tu te souvenais qu'on allait venir te voir aujourd'hui ? Oui. Est-ce que tu nous as préparé quelque chose que tu voulais nous montrer ? Et c'est quoi ? Des photos. Des photos. Le handicap d'Arnaud est dû à une infection in utero qui a provoqué une naissance prématurée. Et depuis la fin de sa première année, il fait régulièrement de violentes crises d'épilepsie. Quand il était petit, elles étaient pas très fréquentes, mais par contre très impressionnantes, très longues. On a vraiment eu des crises de quasiment une heure, donc qui nécessitaient à chaque fois une hospitalisation, soins intensifs. Par la suite, elles sont devenues plus fréquentes, plus courtes. Et puis, ce qu'on a découvert finalement assez tard, c'est qu'il faisait aussi beaucoup d'épisodes épileptiques la nuit, ce qui l'empêchait de dormir. Malgré l'essai de plusieurs traitements, qui sont parfois difficiles à administrer, l'épilepsie d'Arnaud continuait à résister aux médicaments. En souvenir, un qui s'appelait le Zarontin, c'était en sirop, mais c'était tellement affreux que... D'accord. Ouais, c'était dégueu. Hein?
Comme les antiépileptiques n'agissaient pas sur l'épilepsie d'Arnaud, ses parents demandent au neurologue d'essayer un traitement moins orthodoxe, le CBD. C'était encore un peu tôt dans le sens où il n'y avait pas de recul, pas assez de littérature scientifique, donc les médecins n'étaient pas enclins à nous le prescrire. Et puis c'est en 2016, un neurologue qui le suit, il a été d'accord en fait de prescrire le CBD. C'est vraiment au cas par cas. Il faut essayer et voir au bout de quelques semaines à quelques mois si oui ou non on a un réel bénéfice et quelle est la tolérance. Je pense qu'il faut être aussi très honnête avec les parents qui ont beaucoup d'attentes et leur dire on va l'essayer, on espère que ça va marcher, mais sachez qu'on est moins d'un enfant sur deux qui va répondre. Y aller. Ouais, faut bien y aller. Après 6 mois, je commençais à désespérer un petit peu en me disant bon, peut-être qu'effectivement ça marchera pas. Donc on était un peu voilà dans le doute. Mais je veux dire aussi ce qui nous a incité à continuer, c'est qu'on a quand même vu un effet sur sa spasticité. Il a une rigidité des membres, il est assez spastique et puis il était sous baclofène. Contre la spasticité et puis en fait on s'est débarrassé en fait du baclofène et la situation s'était pas du tout empirée voire plutôt améliorée au niveau de la possibilité de détente musculaire. Finalement, presque 9 mois après l'introduction du CBD, la famille d'Arnaud constate enfin une amélioration de son épilepsie. Depuis en fait Arnaud fait plus du tout de crise durant la journée. Ses nuits se sont nettement améliorées aussi. Face à une épilepsie résistante, les neurologues combinent parfois plusieurs traitements complémentaires. Au fur et à mesure qu'on introduisait le CBD, on baissait aussi ses autres médications. Parce qu'il prenait 3 antiépileptiques, on s'est débarrassé totalement d'un. Et puis les autres, on les a diminués drastiquement, quoi, vraiment de moitié. Donc il y avait une bonne combinaison entre le CBD et puis les autres médicaments. L'huile de CBD prescrite à Arnaud est minutieusement fabriquée par la pharmacie de Langnau. Nous devons pouvoir démontrer que notre produit à base de CBD est très pur et qu'il correspond à une qualité pharmaceutique. Ce n'est pas simple à réaliser. Nous devons être en mesure de fournir un certificat d'analyse de pureté. On peut attester que notre produit est pur et on peut être certain à 100% qu'il ne contient pas de substances polluées ou impures. Clique sur le mot où tu vois la lettre A. Ouais. Bravo. Vous diriez qu'il a une meilleure qualité de vie, quelque chose comme ça ? Ouais. Je pense que ça, c'est assez juste, ouais. Oui. T'es d'accord avec moi? Tu trouves que t'as une meilleure qualité de vie? Oui. C'est bon. C'est bon? Ce que j'espère pour lui, c'est qu'il puisse avoir un maximum d'autonomie, qu'il puisse trouver du plaisir dans des tâches qu'il aime faire. Il est à l'école, donc il apprend à lire, à écrire. Après, son futur, ça reste un grand point d'interrogation. À vous. Les parents d'Arnaud ont trouvé avec le CBD un moyen de soulager leur fils et de diminuer les médicaments antiépileptiques qui, eux, ont des effets secondaires avérés. Même si on n'en connaît pas encore tous les mécanismes, on sait que le cannabidiol agit sur plusieurs cibles, plusieurs récepteurs dans le cerveau, notamment ceux du système de la douleur et de la sérotonine. À vous. On vous l'a... On a voulu vous passer ce... bref reportage avant pour vous montrer qu'effectivement on est bien dans de l'humain. Voilà. Donc on va prendre la parole. On va essayer. Alors je vais
Je vous préviens, je vais essayer d'être un petit peu chiant. C'est-à-dire qu'on va accélérer parce que ce qui compte, c'est pour avoir des échanges avec la salle. Donc, on va essayer vraiment de limiter les interventions pour pouvoir discuter et échanger tous ensemble. Voilà. Donc, Florent, vas-y. Merci. Excusez-moi, je suis encore un peu sous le coup de l'émotion de la vidéo du petit Arnaud. Je suis très empathique et c'est un peu ce qui m'a emmené justement à rentrer un peu dans cette bataille pour la régulation du cannabis et en l'occurrence la première urgence du cannabis thérapeutique. Donc, je ne sais pas si on peut mettre mes slides, s'il te plaît, Christophe. Donc en fait, moi, clairement, bon, à l'origine, mon histoire personnelle, c'est que j'étais usager abusif avec mes amis quand on était adolescent, que je me suis tourné vers une consommation qui était plus responsable. J'ai été directeur des services informatiques, cadre dans l'informatique. Et par la suite, et en fait, j'ai eu une histoire personnelle qui m'a amené à perdre mon permis et à me poser tout un tas de questions sur les lois en question, en place, sur les stupéfiants, en particulier sur le cannabis. Ce qui m'a en fait poussé à aller aux États-Unis pour m'intéresser de plus près à cette question-là. Donc là, c'est le petit plan de la présentation que je vais vous faire. Et en fait, on voit, slide suivant s'il vous plaît, on voit sur cette slide, donc Oxenham University, donc c'est l'université, c'était en 2014 la seule université du cannabis qui existait. Maintenant, il y en a d'autres avec les États qui ont légalisé, il y a d'autres formations qui se sont mises en place. Et j'ai eu aussi là-bas des rencontres avec des patients qui avaient tout un tas de pathologies, à savoir de la douleur fantôme, de la sclérose en plaques, du stress post-traumatique, des enfants qui avaient des leucémies. Donc tout un tas de... On avait le Patient Day les mercredis où on rencontrait un patient qui nous expliquait sa pathologie. Et en fait, moi, j'étais là-bas plus comme anti-prohibitionniste par rapport... Voilà, j'étais intéressé par la question des régulations. Et je me suis effectivement, de par mon empathie, plus tourné vers l'usage médical. Et donc là-bas, j'ai travaillé donc avec la Coalition for Cannabis Policy Reform, qui travaille sur la campagne Reform CA, qui est passée là justement le Yes on 64. Donc c'était là, on était déjà dans un medical state, donc un état en Californie qui avait l'accès au usage médical, usage compassionnel, avec le système des caregivers, donc c'est un système un peu spécifique. Et donc du coup, quand je suis revenu en France, j'ai eu vraiment cet élan, cette envie d'aller de l'avant, et je me suis rapproché à l'époque d'une association qui s'appelait Chanvre et Liberté, qui avançait justement sur la question du cannabis en règle générale. Et cette association s'est transformée du fait du vote de nos adhérents récemment en Normal France, donc en chapitre de Normal, qui est l'association, l'organisation historique pour réforme aux États-Unis. Voilà, c'est pour la petite introduction. Et pourquoi Normal France? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Donc en fait, la slide suivante, s'il vous plaît. J'ai fait une petite présentation qui va être... alors je suis désolé, les slides sont assez lourds. On va essayer d'aller vite, parce que j'en ai pratiquement 30. Donc, je vais essayer de faire 30 secondes par slide pour refaire une question, pour faire une présentation générale. Parce qu'on a vraiment besoin de réapprendre ce que c'est que le cannabis, pour se réapproprier ce que c'est que le cannabis avant de pouvoir en parler. On a besoin d'être éduqué. On a souvent une opinion sur le cannabis avant même d'avoir une éducation sur le cannabis. Donc la première des choses, c'est déjà d'être éduqué à ce que c'est réellement que le cannabis. Et ensuite, on peut se faire son opinion. Et la problématique qu'on a en France, c'est qu'il y a une opinion, les gens ont une opinion sans savoir réellement ce que c'est, parce qu'ils sont témoins le plus souvent de l'usage abusif et du mésusage du cannabis. Donc là, c'est clairement, on va commencer par la base, donc de la botanique. Donc qu'est-ce que c'est que le cannabis? Donc le cannabis, c'est du chanvre. Le cannabis, c'est le nom latin de la plante française, le chanvre. Donc on voit en différents, le hemp en anglais, hemp en allemand, cagnamo en espagnol, canopy en tchèque, donc c'est toujours un peu la même base. On a trois espèces majoritaires qui sont le cannabis indica qui provient d'Inde, sativa qui provient plus de l'Afrique et ruderalis qui vont provenir du nord des plaines de l'Oural. Et ensuite, avec ces trois variétés, on va avoir une infinité de sous-espèces. On peut croiser toutes ces sous-espèces qu'on va appeler des cultivars. Et ces cultivars vont avoir des phénotypes et des génotypes qui vont être différents. Donc phénotype, c'est l'aspect visuel, et génotype, c'est l'aspect génétique. Donc c'est la génétique de la plante. Donc la plante est le plus souvent monoïque, donc c'est-à-dire qu'elle contient deux sexes, elle est hermaphrodite. Souvent, elle s'auto-féconde, mais dans les variétés à principe actif, elle est plus souvent dioïque. On peut voir ici sur cette slide qu'on a deux triangles qui se complètent. Plus on va axer sur la méthode de production sur la fleur, plus on va avoir des principes actifs, donc plus on va avoir un pouvoir thérapeutique. Plus on va axer la méthode de production sur la tige, plus on va avoir un pouvoir fibreux. Alors, les chanvriers pourront me valider ou m'invalider par la suite. Et là, j'ai mis une petite loupe
j'ai mis ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qui contient les principes actifs. Donc c'est ce qu'on appelle les trichomes, qu'on peut retrouver sur les pieds de tomates et sur d'autres plantes, qui contiennent les principes actifs de la plante. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc en l'occurrence, le THC et le CBD. Donc là, je vous ai mis des petites planches botaniques à travers les âges. Donc la première, c'est 700 après Jésus-Christ. Celle du milieu, on est plus sur du XVIIe siècle. Et la dernière, on est plus sur fin XIXe, début XXe. Donc c'est clairement, pour l'aspect botanique, quand on regarde celle de droite, on a la plante de droite qui est plus la plante femelle, donc on va avoir une fleur, et la plante de gauche avec les petites clochettes, la plante mâle. Donc ça, c'est quand on est sur un cas de variété dioïque, clairement dioïque. Sinon, on peut avoir effectivement, comme je le disais tout à l'heure, en monoïque, des plantes hermaphrodites avec les gamètes, des plantes qui contiennent les gamètes mâles et femelles et qui s'autofécondent. Là, c'est pas le cas sur la partie de droite. Au milieu, c'est un beau mâle, et à droite, vous avez une femelle et un mâle sur la gauche. Voilà. Quand on veut faire de la fleur, en l'occurrence quand on regardait le reportage et qu'on voyait les plantes au départ, c'était clairement des variétés qui étaient dioïques et sur lesquelles en fait il n'y avait pas de germination, il n'y avait pas de fécondation. Donc c'est la plante va faire une fleur sur une fleur sur une fleur, ce sont des pieds femelles et qui vont faire une fleur sur une fleur sur une fleur. Et du coup on va avoir ces gros pompons qui vont se créer et qui vont avoir une forte teneur en cannabinoïdes qui sont les principes actifs de la plante. Slide suivante s'il vous plaît. Donc les cannabinoïdes, ce sont ces je vais parler plus doucement, excusez-moi, j'ai l'habitude de parler très vite et alors je vais essayer de mieux articuler aussi. Je suis un peu stressé par le temps, c'est un peu la problématique. Donc les cannabinoïdes thérapeutiques, donc là je vous ai mis une roue de la Calapa Clinique, qui est un institut espagnol qui travaille sur l'intérêt médical des cannabinoïdes. Donc on voit les cannabinoïdes principaux. En l'occurrence, on peut retrouver le THC et le CBD, donc sont clairement les deux molécules qu'on retrouve le plus souvent dans la plante. Mais il y a le cannabis thérapeutique, ce n'est pas que le CBD. Le CBD, c'est une composante du cannabis thérapeutique. Le cannabis thérapeutique, c'est un ensemble déjà de molécules, donc les cannabinoïdes, mais aussi les terpènes et les flavonoïdes. Ça, on va en parler plus tard. Là, on va plus revenir aux cannabinoïdes en eux-mêmes et au ratio CBD-THC. Donc là, je vous ai mis en bas à droite, normalement, donc un petit graphique. Donc on retrouve les trichomes. Qui contiennent les cannabinoïdes. Et en fait, en bas à droite, on voit les différents ratios qu'il peut y avoir sur que peuvent contenir les différents cultivars. En l'occurrence, le THC, quand on est en ratio 0,1, qu'on a que du THC, ça va être très psychoactif. Et quand on va être sur du CBD, donc 1,0, on va avoir vraiment un aspect de relaxation, mais on n'aura pas de psychoactivité du tout. Il faut aussi savoir que le CBD a un effet antagoniste sur la psychoactivité du THC. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une plante qui est là, il n'y a pas réellement de ratio, si peut-être plus 3 sur 1, le dernier, on va avoir une psychoactivité qui va être très réduite. Quand on voyait Julia dans le reportage, elle prenait plus effectivement un cannabis qui était proche du ratio 20:1. Ça, c'est le cannabis légal, le cannabis light qu'on peut retrouver en Suisse. Je vais avancer plus vite. Olivier Bertrand reviendra sur cet élément-là. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, il faut savoir aussi que dans le cannabis, comme je le disais, il n'y a pas que les cannabinoïdes. C'est un ensemble. Il y a aussi les terpènes. Donc, les terpènes, qu'est-ce que c'est ? Les terpènes sont des hydrocarbures végétales. Donc, il faut savoir que le cannabis est une plante au niveau du domaine végétal qui produit énormément de terpènes, si ce n'est pas la plante qui génère le plus de terpènes. En l'occurrence, on retrouve... donc les terpènes, qu'est-ce que c'est ? Clairement, c'est quand vous avez une corbeille de citron et vous sentez le citron, ce sont les hydrocarbures végétales qui sont évaporées dans l'air et qui viennent jusqu'à votre nez. Et vous sentez les molécules et vous avez cette senteur. Et le cannabis va créer toute une gamme de terpènes. Il y a différents cultivars. Donc les cultivars plus haze qui vont sentir effectivement plus le citron, la mandarine, un peu même le diesel, l'essence. On va retrouver tout un tas de saveurs qui sont extrêmement vastes. On va mettre à disposition ensuite les slides sur notre site internet plus tard. Donc vous pourrez retrouver toutes ces informations là. Et effectivement, les terpènes, c'est ce qui compose l'aromathérapie et la phytothérapie. Ce sont ni plus ni moins que l'utilisation des terpènes quand on les vaporise ou quand on les infuse en tisane, par exemple. Donc les différents usages du champ, je vous ai fait un petit inventaire à la Prévert de tout ce qu'on peut retrouver. Slide suivant, s'il vous plaît, pardon. De tous les usages du chanvre. Le chanvre qui est une plante oubliée qui a accompagné l'humanité, on va le voir après, depuis moins 12 000 ans jusqu'à nos jours. Le chanvre a été interdit en 1937 par Emmanuel Taxet, on va en parler aussi après. Mais là, clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chanvre, avant l'arrivée du pétrole,
était une ressource majeure et qui était disponible partout. C'est-à-dire qu'on fait un peu tout et n'importe quoi avec du chanvre. On peut même faire du bioplastique, on peut faire du biodiesel, on peut faire des toiles qui sont très résistantes. On fait tout un tas de produits pour les animaux, le chanvre fourragé, la graine de chanvre est une graine qui est très protéinée, qui est très riche en oligo-éléments, en oméga 3 et 6. C'est une graine qui est très connue par les véganes, par exemple, les végétariens. Donc le chanvre est vraiment une plante qui est... si on n'avait plus de pétrole, ben on replanterait du chanvre partout. Voilà, c'est clairement c'est ça. Donc ça tombe bien, bientôt on n'a plus de pétrole, donc il va falloir se mettre au chanvre. Et le chanvre thérapeutique, moi quand j'étais à Amsterdam, on me disait le chanvre thérapeutique, c'est des toutes petites, en termes de matière, c'est des toutes petites doses. Sauf que quand il n'y aura plus de pétrole, le chanvre industriel, l'argent, il n'est pas dans le chanvre récréatif ou le chanvre thérapeutique, il sera dans l'exploitation et la transformation de ce chanvre industriel. Il faut savoir qu'en 1934, Henry Ford avait fait une voiture qui roulait à l'huile de chanvre et qui était faite entièrement en chanvre, carrosserie, siège et courroie comprise. Vous pouvez vérifier toutes ces informations sur Internet. Ouais, il paraît que la voiture de Bob Marley aussi est faite comme ça. Je ne sais pas, mais je crois qu'il était plus en mode plus à courir. Pour la blague, voilà, il te reste 5 minutes. Ouh là là, ça va trop vite. Il faut pouvoir discuter après. Donc, on va pouvoir discuter. Donc là, voilà les routes du chanvre, moins 12 000 ans. Donc on peut constater effectivement que la route de la soie, la route des épices, avant même de la route des épices, c'était la route du chanvre. Donc c'est une ressource très importante. Il manque une des flèches là, pour la conquête du Nouveau Monde, parce que la conquête du Nouveau Monde, sans chanvre, il n'y avait pas de conquête du Nouveau Monde, il n'y a pas de navigation. Et ce qu'on peut voir, c'est que les civilisations américaines et australiennes n'avaient pas accès au chanvre et n'ont pas été du coup des civilisations qui ont navigué à travers le monde. Des écrits anciens jusqu'à sa prohibition, donc on retrouve l'idéogramme Ma, qui est en fait le chanvre, moins 12 000 ans avant Jésus-Christ, en Chine, donc toutes les différentes civilisations qui ont utilisé le chanvre, que ce soit en l'occurrence, en premier lieu c'était pour l'alimentation, puis ça ensuite était pour des rites sacramentaux, et ensuite bien entendu pour la médecine. Donc là vous avez un petit inventaire avec une petite frise chronologique. Slide suivant, oui c'est bon. Excusez-moi, je ne sais pas pour les slides. Et donc, comme le disait Eric tout à l'heure, la reine Victoria utilisait pour le chanvre beaucoup pour ses céphalées, mais aussi pour ses règles très douloureuses. Voilà. Et fin 19e, début 20e, on a les premiers usages qui arrivent, qui sont dits récréatifs, mais qui sont ni plus ni moins que la continuité des usages sacramentaux et de la transcendance de l'esprit et du corps. Là, je vous ai mis une petite slide suivante. Merci pour Clermont-Ferrand, parce qu'on a retrouvé en fait du cannabis dans le vin des Gaulois. Donc, les gens qui me disent le cannabis ne fait pas partie de notre culture, si, je vais vous le démontrer. Le cannabis fait partie de la culture française européenne depuis des millénaires. Là, en l'occurrence, le cannabis, c'était même du cannabis avec du THC, qui était une résine qui était utilisée pour stabiliser le vin, parce que le vin à l'époque tournait. Ils n'avaient pas accès à toute la technologie qu'on a maintenant dans le Bordelais pour stabiliser le vin et le faire vieillir dans les vins de garde. Voilà, on a slide suivante. Rabelais, donc Pantagruélion, donc dans le tiers livre, qui est une de ses œuvres majeures, le plus gros chapitre, il est dédié au Pantagruélion, et cette, tout simplement Pantagruélion, c'est rien d'autre que le chanvre. Et donc il parle des usages industriels, des usages alimentaires et des usages, bien entendu, médicaux. Qui fait un rappel de ses usages. Donc ça, c'était la petite parenthèse médicale sur la France. Hop, on va continuer slide suivante sur l'usage récréatif. Là, c'est le club des hachichins, donc 19e siècle, donc Théophile Gautier et Jacques-Joseph Moreau de Tours, qui étaient les instigateurs de ce club, utilisent du chanvre, en l'occurrence du dawamesque, qui est une confiture très concentrée en principe actif, en ingestion, pour justement expérimenter lors des soirées Fantasia la transcendance de l'esprit et du corps, et qui leur permet par la suite d'écrire des poèmes et tout un tas d'œuvres littéraires qui en découlent. Vous pouvez voir d'autres auteurs qui faisaient partie de ce club. Il faut savoir que là, le dawamesque à l'origine, c'était donc très concentré en ingestion. Donc ils étaient partis sur des tripes, les gars, ils partaient loin. On va dire que ce n'est pas un simple joint. C'était vraiment des expérimentations qui sont proches de celles du LSD, où il y a vraiment une dissociation du corps et de l'esprit. Et voilà, c'est pas. C'est vraiment. Hop, on avance vite.
Hop, là, je vous ai mis slide suivante. Voilà, tout à fait une petite carte de la France avec des cartes postales et des représentations du début du siècle où on voit effectivement que le chant faisait partie de la vie intégrante du village, dont elle était inscrite dans la culture. Il y avait des époques, il y avait tout un tas de la vie de la commune était rythmée par aussi le chanvre et l'utilisation du chanvre. On voit en l'occurrence les gens qui faisaient le taillage du chanvre, donc la dissociation de la tige et de l'écorce. Et on, toujours un petit clin d'œil aux gens qui disent que le cannabis ne faisait pas partie de notre culture. Quand on regarde la carte en bas à gauche, on voit très bien qu'il y a du chanvre quasiment partout. Là, c'est une carte qui date du début du siècle, début 20e. Hop. Carte suivante, donc voilà l'origine de l'interdiction du cannabis. Donc l'origine de l'interdiction, elle vient en l'occurrence, bon, c'est une histoire clairement de gros sous, et c'est clairement une histoire raciste et qui est basée sur la discrimination. En fait, donc le Marijuana Tax Act, c'est taxer la production de chanvre au profit du nylon, qui est en l'occurrence déposé par Dupont de Nemours, et aussi Henry Ginslinger, qui est le premier instigateur du Federal Bureau of Narcotics, qui est l'ancêtre de la DEA, Drug Enforcement Administration, et qui, du coup, de ce fait, Drug Enforcement Administration, oui, oui. Sorry. Et du coup, qui clairement met à mal les populations afro-américaines et hispaniques. D'ailleurs, on utilise le mot marijuana, qui est une consonance hispanique, pour dire voilà, bah, le chanvre, regardez, les afro-américains et les hispaniques, ils consomment du chanvre, ils ne sont pas partis de notre culture, ils violent, ils sont violents avec nos femmes blanches dans les clubs de jazz. Voilà, y a toute une campagne de propagande qui est mise en place, qui est diffusée largement dans les écoles, qui est diffusée un peu partout aux États-Unis, pour subventionner et mettre à profit, on va dire, cette propagande dont on reçoit toujours, dont on a hérité, en fait, nos lois sur les stupéfiants ont hérité clairement de cette origine. L'origine de la loi des stupéfiants, c'est ça. Donc je vous invite à vous renseigner sur l'origine de la prohibition des stupéfiants au niveau international. Là, on va passer assez vite, c'est les différentes dates clés l'internationalisation de cette prohibition. On voit qu'en France, on avait déjà, pour lutter contre le poison Bosch, mis en place, pour lutter contre les amphétamines, la cocaïne et l'héroïne qui étaient largement consommées dans les tranchées. Donc on voit qu'au niveau de l'ONU, il y a eu la mise en place de Commission on Narcotic Drugs, donc tout un tas d'administrations qui sont mises en place pour lutter contre la drogue. Et en 1970, le 31-1970, c'est la loi qui est toujours encore en activité de nos jours. Ça va vite. Alors, je vais passer assez vite. Ici, c'est pareil, très rapidement. Donc, 1970, on met vraiment le paquet sur la guerre à la drogue. Ce qui est intéressant, c'est le graphique en haut à gauche, où on a les dépenses pour lutter contre la drogue, et on a en bleu le taux d'addiction. Et on voit qu'en fait, on a beau mettre des milliards et des milliards d'argent pour la lutte contre la drogue, le taux d'addiction reste le même. Et c'est ça qui est aussi intéressant, je vais en parler plus tard, mais quelles que soient les lois qui sont en place, on garde toujours le même taux, taux de consommation de stupéfiants et de taux de consommateurs. Donc en France, que dit la loi actuellement? Donc ça, Béchir va revenir dessus, on va avancer de ce fait. Loi de 1970, c'est pareil, Béchir va revenir dessus, je vais avancer. Clairement, ça c'était des graphiques pour montrer qu'en fait, c'était pas du tout le trafic. Au nom du trafic, en fait, on va surtout taper l'usager. C'est-à-dire que clairement, 90% des affaires qui concernent le stupéfiant, ce sont le cannabis. Et majoritairement, 86%, c'est sur l'usage simple. Donc 86% des infractions à la législation sur le stupéfiant, c'est pas les trafiquants qu'on arrête, c'est les usagers qui viennent acheter au four, comme on dit, à la cité ou ailleurs. Donc les trafiquants ne sont pas forcément plus inquiétés que les usagers. Donc ça sert à rien de taper sur les usagers. Une petite slide, pardon, pour changer effectivement les perceptions. C'est trois chiffres qui ont sorti du rapport de Gaspard Koenig que je trouvais intéressant, qui est sorti récemment, de groupe Génération Libre. 17 millions, c'est le nombre de Français qui déclarent avoir consommé du cannabis, donc c'est les expérimentateurs. Donc imaginez mettre 17 millions de personnes en prison pendant un an, ça ne tient pas debout au niveau des lois sur les stupes. 8,9%, c'est le nombre de troubles addictifs qui sont liés au cannabis, c'est-à-dire que 8,9% des usagers de cannabis rencontrent des problèmes selon un usage abusif de cannabis, mais ce n'est pas le cas de tous les autres. Quand on regarde le
tabac, c'est 67,5. L'alcool, c'est 22,7. La cocaïne, c'est même 20,9. Et on a effectivement le cannabis, qui est une source du Scientific Reports de 2015, qui démontre que le cannabis est 114 fois moins mortel que l'usage de l'alcool. Donc nous qui avons l'habitude de consommer de l'alcool et d'être éduqués à la consommation d'alcool, on se rend bien compte que le cannabis, s'il était bien consommé, même quand il est mal consommé, il est quand même moins mortel. Hop, ça va vite. Le coût social des drogues les plus consommées, je vais vite. Encore, on ne doit pas comparer les produits, les addictologues me diraient qu'on ne compare pas les produits, mais moi j'aime bien comparer au moins le coût social des produits, parce que ça c'est quand même très important. On se rend compte que l'alcool et le tabac coûtent très cher à la collectivité, et que le cannabis coûte vraiment peu cher, et qu'il faut aussi se rendre compte, alors que là on est dans un cadre où le cannabis en plus est mal utilisé. Donc les gens ne sont pas éduqués à la consommation dans un cadre où les gens ne sont pas éduqués à la consommation de cannabis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le cannabis et l'alcool et le tabac, c'est quand même le résultat, c'est 1 litre d'hôpital sur 2. C'est une stat qui est intéressante. Voilà. Le dommage à toxicité, dangerosité et dépendance, donc ça je vais avancer, mais c'est pareil, ça prouve que différents rapports ont prouvé que les cannabinoïdes, au final, la toxicité est quand même, par rapport à d'autres produits, beaucoup moins dangereuse, que ce soit au niveau personnel ou au niveau social. J'aime bien aussi ce tableau parce qu'on voit la neurotoxicité, on dit le cannabis il est neurotoxique, il fait baisser le QI. Non, le cannabis il n'est pas neurotoxique, il est neuromodulateur. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va poser problème quand vous êtes dans un contexte d'apprentissage, quand vous êtes dans un contexte de répétition, d'apprentissage, voilà. C'est pour ça que c'est pas bon pour les jeunes. Mais il n'est pas neurotoxique, il est même à l'origine, des études qui prouvent qu'il est même à l'origine de la neurogénèse. Donc c'est pour vous dire un peu les a priori qu'on a. La consommation de cannabis, donc une réalité bien française. Pareil, je vais avancer un peu vite, je pense que Bécher reviendra un peu dessus. Et après Olivier. Olivier d'abord. Et puis donc après, là, c'est juste le graphique à droite qui est intéressant, c'est qu'on voit très clairement que le cannabis est très largement consommé et en augmentation folle par rapport aux autres produits. Donc ça, c'est un graphique qui est très intéressant. Slide suivante, la consommation de masse. Donc, on est actuellement dans une consommation de masse. Ça, c'est le kakemono qu'on a réalisé sur la gauche, où en fait, on explique aux gens qui consomment du cannabis comment mieux le consommer. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, les gens consomment du cannabis et on consomme très mal parce qu'on n'est pas éduqué à le consommer correctement. En l'occurrence, on mélange avec du tabac, on prend des grosses douilles. Enfin bon, c'est pas du tout bon. Et aussi quelque chose que j'aimerais rappeler, c'est que 80% des usagers de cannabis, on nous rabat toujours, on dit la jeunesse, le cannabis, mais 80% des usagers de cannabis, ce sont des gens qui sont adultes. Donc voilà, en termes de perception, il faut changer cette perception et il faut responsabiliser les usagers. La réduction des risques, c'est un concept qui est très important, c'est d'accepter le fait qu'il y a un usage et que cet usage, quoi qu'on fasse, l'évolution, comme j'ai montré au niveau des taux tout à l'heure, au niveau du graphique, on ne peut pas réellement intervenir sur la consommation, mais sur les méthodes de consommation, on peut intervenir en éduquant les gens à la vaporisation, à l'ingestion, à l'usage en tabac. Le dosage et la connaissance du produit, c'est valide dans le cadre d'un cadre légal, et bien sûr la modération et le cadre adapté, comme c'est le cas pour l'alcool. Et voilà. Merci Florent, désolé effectivement, On va couper, mais c'est vraiment les échanges qui sont aussi importants. Juste avant Olivier, et puis après on a une première série de questions. Voilà, mais il faut effectivement qu'on puisse échanger. Ouais. Ok. Alors la deuxième. Ok, donc on va essayer de faire rapide aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je vais vous donner un peu une approche des travaux scientifiques qui sont faits et vous donner un petit peu le prisme scientifique. Déjà, il faut savoir que le système endocannabinoïde, dont on a parlé dans le film tout à l'heure, est de découverte très récente. Vous voyez ici, donc en 1920, on découvrait l'acétylcholine et l'adrénaline.
1970 le système des endorphines, donc tous les opiacés, et seulement en 1990 le système endocannabinoïde. Alors, le système endocannabinoïde, c'est plus d'une dizaine d'endocannabinoïdes déjà identifiés. Donc effectivement, le 2-acylglycérol, l'anandamide qui est très connu, qui est le plus connu des endocannabinoïdes. C'est aussi trois récepteurs pour le moment, CB1, CB2 et GPR55. Donc c'est un système, les caractéristiques du système endocannabinoïde, c'est un système qui est archaïque, c'est-à-dire qu'il est arrivé très tôt dans la phylogénèse, c'est-à-dire l'évolution des espèces sur la Terre, et notamment il est arrivé dès la cellule eucaryote. Donc c'est-à-dire qu'on est juste après le stade de la bactérie, et déjà là, les premières cellules eucaryotes avaient des éléments du système endocannabinoïde. Alors évidemment, ce n'était pas un système endocannabinoïde complet comme celui chez l'homme, mais il y avait déjà des éléments du système endocannabinoïde très tôt. Donc c'est un système qui est ubiquitaire, qu'on va retrouver chez tous les vertébrés, les primates, certains insectes, les arthropodes, chez les poissons aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est apparu très tôt dans l'évolution de la vie sur Terre. C'est un système qui est extrêmement simple, un peu primitif comme système. C'est simplement des acides gras de la membrane de nos cellules. Toutes nos cellules ont une membrane lipidique. Et à partir de cette membrane de lipides, donc des graisses, on synthétise des endocannabinoïdes. Donc c'est un système qui est extrêmement primitif et qui est donc omniprésent, comme on le rappelle dans le reportage. On parle souvent des récepteurs du cerveau, hein, parce que c'est ceux qui sont responsables de l'effet psychoactif. Mais en vérité, toutes les cellules de l'organisme sont capables, et heureusement qu'elles sont capables, de produire des cannabinoïdes, parce que c'est très important, notamment dans les mécanismes de régulation. Ça permet, c'était expliqué, d'assurer l'homéostasie, c'est-à-dire la régulation des équilibres physiologiques. Et c'est un système d'importance majeure. Si vous voulez, regardez ce petit diagramme. On a pris des souris et on leur a enlevé le gène qui code pour le récepteur CB2. Et quand on enlève le gène du récepteur CB2, c'est les souris développent des douleurs, des problèmes de peau, des problèmes de désordre au niveau du foie, de l'athérosclérose, de l'ostéoporose et des scléroses en plaques. Donc on voit très clairement que le système endocannabinoïde est un système vital. Donc je vais passer les mécanismes d'action au niveau central et les mécanismes d'action périphériques. Juste là pour montrer que le THC, finalement sur le diagramme de droite, vous voyez que le THC va agir sur les endocannabinoïdes directement, alors que d'autres cannabinoïdes comme le CBD vont plutôt agir indirectement et notamment sur le métabolisme de dégradation des endocannabinoïdes. Là je passe, c'est un petit peu trop précis, mais pour montrer qu'on a bien étudié déjà, qu'on a déjà bien étudié les mécanismes d'action, notamment au niveau des récepteurs CB1, CB2. Les principes actifs du chanvre, donc je vais passer rapidement parce que Florent vous a expliqué ça en long, en large et en travers, hein, donc plus d'une centaine de phytocannabinoïdes, à peu près autant de terpénoïdes, des propriétés médicinales nombreuses. Là, vous voyez un diagramme qui date de 2007, qui est sorti d'une grande revue. Et donc on voit les applications et les mécanismes d'action des différents principes actifs, le CBD, le THCV, le cannabigérol, le cannabichrome. Et donc on voit qu'il y a un spectre d'action qui est assez important. Je vous dirais que quand j'ai commencé mes études de médecine, je pensais que c'était un peu une fumisterie, le cannabis médical. Et c'est au fur et à mesure des témoignages, des patients que j'ai pu rencontrer, des études scientifiques que j'ai pu lire, que j'ai complètement changé d'avis et que je me suis dit que même si ce n'est pas une panacée, parce que ça ne marche pas chez tout le monde, il y a des patients qui ne sont pas répondeurs, c'est quand même effectivement une classe pharmaceutique très précieuse d'avenir sur laquelle on va certainement développer de nombreux médicaments à l'avenir. Juste pour préciser aussi que les cannabinoïdes, quand on les récolte dans la plante, ils sont présents sous forme acide. Tous les cannabinoïdes sont présents sous forme acide et par exemple, et les formes acides ne sont pas psychotropes. Le THC acide n'est pas psychotrope. C'est une notion qui est importante dans l'usage médical parce que quand on fait de l'ingestion, si on mange la fleur brute, on ne va pas du tout avoir les mêmes effets que si on la mange chauffée, parce que si on mange la fleur sous forme brute, on va avoir les cannabinoïdes sous forme acide. Et donc, il y a des effets thérapeutiques aussi des formes acides, mais on a beaucoup de recherches à faire parce que pour le moment, il y a très peu d'études cliniques sur les formes acides. Donc là, on voit la décarboxylation du THC, donc c'est le passage de la forme acide à la forme décarboxylée.
Là, ici, vous voyez un exemple des titrations en cannabinoïdes et en terpènes dans une fleur de chanvre ou dans une huile. Donc, à Normal France, on propose depuis quelques mois un service à nos adhérents justement de titration, de chromatographie HPLC, donc qui permet à nos adhérents de savoir quel produit ils consomment ou quel produit ils fabriquent. Alors là c'est donc vous avez compris que la plante de chanvre c'est une soupe de principes actifs, hein, il y en a nombreux, et en plus ces principes actifs ils marchent pas de manière linéaire, ils sont pas simples à étudier. Globalement c'est une action qui est polymodale et qui peut être des fois synergique, la plupart du temps on parle de l'effet d'entourage, ou parfois antagoniste. On observe effectivement, notamment ça a été rappelé par Florent, il y a un antagonisme sur l'effet psychoactif entre le THC et le CBD. Le CBD va annuler l'effet psychoactif du THC, quelque part. Voilà, et aussi, les cannabinoïdes, ils n'agissent pas que sur les récepteurs CB1, CB2 ou GPR55. Ils agissent sur plus de 35 récepteurs. Par exemple, l'effet anti-nausée du cannabis... Il n'est pas lié à l'action sur les récepteurs cannabinoïdes, il est lié à l'action du THC sur des récepteurs sérotoninergiques. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y a de nombreuses cibles, les endocannabinoïdes peuvent agir sur de nombreuses cibles, et c'est ce qui explique aussi cette synergie. Parce que si ça, globalement, l'effet antinauséeux, il n'est pas lié qu'au sérotoninergique, il est aussi lié à d'autres actions sur d'autres récepteurs. Et le THC est un agoniste partiel, c'est-à-dire qu'à une certaine dose, il va avoir un effet plutôt activateur des récepteurs CB1. À haute dose, il peut les bloquer. Donc c'est une physiologie, c'est très complexe et ça va demander encore de nombreuses années d'études. Et là, on voit sur ce schéma les différents récepteurs sur lesquels l'anandamide peut agir. Alors là, on va passer aux indications médicales non controversées, parce que finalement, je me dis que c'est peut-être un peu ça que tout le monde a envie de savoir, mais finalement, au juste, ça sert à quoi ? C'est dans quelle maladie que ça peut vraiment être utile ? Alors là, ça, c'est ce qui est non controversé. Il y a un consensus international, même si en France, on a juste l'indication de la sclérose en plaques, c'est-à-dire la première crampe et spasme musculaire. Globalement, toutes ces indications là sont validées à l'international. Donc c'est les crampes et les spasmes musculaires. Donc ça, on va trouver ça dans les traumatismes de la moelle, les scléroses en plaques et globalement de nombreuses maladies neurodégénératives avec des atteintes de la moelle épinière. Les nausées, la perte d'appétit, la perte de poids. On a une adhérente de 37 ans à La Réunion qui a eu un cancer du sein. Et grâce au cannabis, elle a pu passer le cap parce qu'elle perdait du poids à vue de nez. Et à un moment, tout le monde était très, très inquiet. On pensait qu'on allait la perdre. Et finalement, c'est là que le cannabis est arrivé. Il lui a permis de reprendre l'appétit, de limiter les nausées. Et elle a pu reprendre du poids et passer le cap. Elle est aujourd'hui en rémission. Et des exemples comme ça, on en a des tas et des tas. Parce que ça, c'est la première indication reconnue aux États-Unis dans les années 80. C'est les patients, les groupes de patients VIH qui ont justement pointé et mis en avant cette indication. Alors, ça marche aussi dans les douleurs chroniques, donc notamment les douleurs qui sont liées à des atteintes des nerfs. C'est efficace aussi dans le glaucome. Le seul problème, c'est que ça a une durée d'action limitée, 4 à 6 heures. C'est très efficace dans le syndrome de Gilles de la Tourette. Et alors ça, c'est le THC. Et le CBD est efficace dans les épilepsies rebelles sévères du nourrisson. On n'a pas encore beaucoup de travaux, mais pour le moment, toutes les études montrent quand même une efficacité intéressante. Et surtout des effets secondaires moindres que les antiépileptiques classiques. Donc au-delà de ces 6 indications non controversées, il y a un potentiel qui est très important. Il y a plus de 50 indications qui sont validées par l'Association internationale pour le cannabis médical. Et globalement, il faut retenir que c'est surtout efficace dans les maladies polysymptomatiques. Dans les maladies polysymptomatiques où on a associé des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des troubles instinctuels de manière générale. Maladies polysymptomatiques avec troubles de l'humeur, troubles du sommeil, le cannabis est souvent efficace. La population cible potentielle, bon, elle est estimée entre 1 et 3 millions. Bon, là, je suis parti sur l'estimation basse. Ça intéresse toutes les spécialités médicales, in fine, quoi, de la pédiatrie à la gériatrie,
de la psychiatrie à la neurologie. Il y a vraiment, globalement, toutes les. J'ai pas trouvé une seule spécialité où, à un moment, où on n'aurait pas besoin de cannabinoïdes à un moment. Parce que, globalement, potentiellement, ça pourrait être efficace dans de nombreuses pathologies. Les maladies orphelines, chroniques, idiopathiques, on a beaucoup de parents autistes aussi qui nous appellent parce qu'il y a des rapports de cas qui montrent que le cannabidiol pourrait être intéressant dans l'autisme. Et puis, dans le futur. La recherche, elle risque de se porter sur les maladies cardiovasculaires et sur les cancers, qui sont les deux premières causes de mortalité. Et là aussi, les cannabinoïdes représentent un espoir important. Okay. Là, vous voyez une petite fille qui est traitée au cannabidiol, donc une petite fille épileptique. C'est la prévalence de l'usage de cannabinoïdes chez des patients neurologiques, donc ramenés par des études observationnelles. Et on montre que donc c'est des gens qui prennent du cannabis de manière spontanée. Et on voit que chez les sclérosés en plaques, il y a 42% des sclérosés en plaques qui consomment du cannabis. Donc ça veut dire que si vous croisez un sclérosé en plaques, vous avez à peu près une chance sur deux qu'il ne va pas vous le dire, mais qu'il consomme du cannabis. L'épilepsie, c'est 33% des épileptiques qui consomment du cannabidiol, en l'occurrence, hein, là c'est pas du THC. Et la sclérose latérale amyotrophique, on l'a retrouvée dans 10% des cas, on retrouve une consommation de cannabis. Là, je vais vous présenter l'étude de Leveque sur la schizophrénie. Donc, on a cette idée beaucoup que le cannabis, ça pourrait déclencher la schizophrénie. Je m'élève catégoriquement contre cette idée. La schizophrénie est une maladie polyfactorielle. On a noté plus de 30 facteurs qui pouvaient entraîner une schizophrénie. Et le cannabis arrive tout à la fin. Donc, il y a notamment des facteurs des traumatismes dans l'enfance, des carences éducatives ou affectives qui peuvent entraîner la jeunesse de ce trouble à l'âge adulte. Donc, on a testé. Là, amilsupride, c'est un neuroleptique, donc un médicament contre la schizophrénie qui est des plus efficaces et qui est actuellement sur le marché. On l'a testé contre 600 à 800 mg de cannabidiol. Et donc, et après, on a échangé. Au bout de 3 semaines, on a échangé. On a monté progressivement. Donc ça, c'est le protocole. Et là, vous voyez les résultats. Au milieu, vous voyez l'effet en bleu, c'est l'effet du cannabidiol sur les symptômes psychotiques. Et en rouge, c'est l'effet de l'amilsupride. Donc on voit qu'on a à peu près exactement les mêmes efficacités entre l'amilsupride et le cannabidiol pour traiter les troubles de la schizophrénie. Parallèlement, vous regardez à gauche, vous avez le syndrome extrapyramidal. C'est des effets secondaires des neuroleptiques. Donc vous voyez qu'effectivement, avec le cannabidiol, il n'y a pas d'effet de symptômes extrapyramidaux. Avec les neuroleptiques, on prend du poids. Vous voyez, white gain. Donc on prend beaucoup de poids avec la courbe rouge, alors qu'avec le cannabidiol, on ne prend pas de poids. Et avec les neuroleptiques, on augmente son taux de prolactine, ça crée ce qu'on appelle la gynécomastie, ça fait pousser les seins, les neuroleptiques. Et bien le cannabidiol, lui, n'a pas cet effet. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a un produit dans la schizophrénie, le cannabidiol, qui est plus sûr que les neuroleptiques parce qu'il a beaucoup moins d'effets secondaires, qui a une efficacité comparable. Donc a priori, selon le rapport bénéfice-risque, ça devrait être un produit qui devrait être utilisé en première intention dans la schizophrénie. Alors que vous savez, en France, on est plutôt, dès que c'est du cannabis, à l'utiliser en dernière intention. Donc là, c'est l'étude de Timna Naftali. Vous avez vu dans la vidéo, il parlait de la maladie de Crohn. Donc ça, c'est un traitement qui a été fait avec du THC, du cannabis fumé. C'était du THC. Il y avait 230 mg par jour. Donc globalement, c'était 2 joints de 115 mg. C'est un peu fou, mais en Israël, ils utilisent beaucoup la forme fumée. J'espère qu'ils vont quand même se mettre à la vaporisation. Apparemment, c'est en cours. Donc, vous voyez, après 2 mois de traitement par du THC, vous avez sur le graphique l'effet clinique donc, entre le placebo. Donc, c'était une herbe où on avait enlevé le THC et l'autre, c'était l'herbe avec le THC. Donc, c'était vraiment contre placebo. Et on voit qu'il n'y a pas photo, que ce soit au niveau de la clinique ou au niveau de la coloscopie. La coloscopie est assez claire. Voilà, ça c'est 2 mois de THC. C'est un résultat qu'on obtient souvent après 6 à 8 mois de traitement avec beaucoup d'effets secondaires, de la cortisone, des immunosuppresseurs, tout un tas de traitements. Et on pourrait peut-être s'en passer si on étudiait de plus près le cannabinoïde. Les effets secondaires, donc évidemment, comme tout traitement, comme tout médicament. Et là, je le rappelle, mais en anglais, drug, c'est médicament. La traduction de drugs en anglais, c'est médicament. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre la drogue et les médicaments. C'est des produits qui ont des effets secondaires et qui ont des effets bénéfiques, et qui ont une balance bénéfice-risque. Et c'est surtout sur cette balance bénéfice-risque qu'il faut travailler. Les effets secondaires, on voit que finalement, ils sont assez limités. Ce qui est intéressant avec le cannabis, c'est qu'il n'y a pas d'effets secondaires graves. Notamment, il n'y a pas de risque de dépression respiratoire,
parce qu'on n'a pas de récepteur CB1, CB2 au niveau des zones qui contrôlent la respiration. Donc c'est présent dans presque tous les tissus de l'organisme, mais à cet endroit-là, il n'y a pas de récepteur CB1 ni CB2. Donc pas de risque de dépression respiratoire, les effets secondaires, donc ça va être de la diarrhée, ça va être des effets secondaires tout à fait bénins finalement. Alors il y a le risque d'addiction qui est quand même à considérer. Et puis il y a des gens qui sont fragiles et surtout il y a beaucoup de non-répondeurs. Donc il ne faut pas croire que c'est un miracle, quoi. Il y a des gens qui ne répondent pas et on n'explique encore pas tout. Et puis il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que souvent on dit oui mais on peut pas utiliser le THC parce qu'il y a beaucoup de parce que c'est psychotrope et donc du coup ça fait des effets indésirables. Il faut savoir que 60% des gens, des patients qui consomment du THC pour un effet médical estiment que cet effet indésirable, il n'est pas indésirable, il est plutôt désirable. C'est-à-dire que l'effet euphorisant finalement, ça remonte le moral et c'est seulement chez 40% des patients que ça pose problème. Mais effectivement, chez ça, 40% des patients, ça pose problème. Et donc, ils voudraient éliminer l'effet psychotrope. Donc, il suffit d'avoir une fleur plus chargée en CBD, par exemple. Voilà, donc tout ça pour conclure sur le fait qu'on a une sécurité d'emploi qui est éprouvée depuis 10 000 ans. Alors, j'exagère parce que bon, c'est 5 000 ans si on prend moins 2700 l'usage médical. Mais on a quand même vraiment un grand recul. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas d'études cliniques, mais on a quand même énormément de rapports de cas. Et on sait que les effets secondaires sont inférieurs à la plupart des médicaments sur le marché. Et donc, on a une balance bénéfice-risque qui est plutôt intéressante dans certaines pathologies comme la fibromyalgie. Clairement, la balance bénéfice-risque, elle va plus au cannabis qu'au traitement qu'on donne actuellement. Et ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de gens qui prennent en photo une pile de médicaments sur leur table et qui disent voilà, depuis que je consomme du cannabis, voilà ce que j'ai arrêté. Et ils prennent plus que du cannabis et ils ont arrêté une tonne de médicaments. Donc ça permet clairement une épargne médicamenteuse importante. Le paracétamol, ça épargne la morphine. Et ben, les cannabinoïdes, ça peut aussi être épargneur de morphine. Okay. Alors, les produits qu'on a sur le marché actuellement en France, je vous parle bien en France, effectivement, on a du Marinol qui est disponible depuis 2001 en gélules. Donc, c'est des gélules de 2,5 mg de THC. Et c'est uniquement sous ATU, sous autorisation temporaire d'utilisation. Donc, c'est uniquement dans le cadre d'un usage compassionnel. Il faut avoir essayé toutes les molécules avant, qu'il n'y ait rien qui marche pour pouvoir prétendre à avoir cet ATU. Le deuxième produit qui est sur le marché, qui devrait être sur le marché et qui ne l'est pas, c'est le Sativex, puisqu'il a eu une autorisation de mise sur le marché en 2014 en France. Donc ça, c'est un pulvérisateur en sublingual. Chaque pulvérisation délivre 2,5 mg de THC et 2,5 mg de CBD. Et donc ce produit n'est pas sur le marché et le débat a été détourné sur le prix du médicament. On a dit soi-disant que ça coûtait trop cher, 360 € mensuels. On ne comprend pas bien pourquoi c'est si cher que ça quand on voit le prix d'une chimiothérapie. Donc clairement, c'est un débat qui a été détourné. Quand on regarde l'étude de la Haute Autorité de Santé et l'analyse de la commission de transparence, on voit qu'elle s'appuie sur des études de phase 3 qui ont duré 2 mois. Alors que si on regarde les études de phase 4, on voit quand même une efficacité donc contre placebo, 70% des gens soulagés contre 35% pour placebo. Donc c'est quand même, ça double l'effet du placebo. Et pourtant, la commission de transparence en France a dit service médical rendu du Sativex, faible, amélioration du service médical rendu, nul. Donc on ne comprend pas bien. Enfin, quand on regarde, on voit qu'ils ont basé leur raisonnement sur que les études de phase 3. Et ces études sont beaucoup plus limitées, sont moins robustes et donc et ont des résultats qui sont moins interprétables. Bientôt fini ? Il m'en reste 2, je crois. D'accord. L'épidiolex. L'épidiolex, lui, il est disponible sous ATU depuis 1 an. Et il a été... L'ATU, oui, l'autorisation temporaire d'utilisation. Donc, je l'ai expliqué, c'est uniquement dans le cadre de l'usage compassionnel. Et il faut que le médecin, au lieu de faire une prescription normale, il fait une prescription sur un CERFA, il l'envoie à l'ANSM et il attend 1 mois pour savoir si l'ANSM veut bien accorder le produit au malade ou pas. Voilà.
L'épidiolex, lui, a été étudié dans l'épilepsie pas mal. Vous avez ici le tableau de GW Pharmaceutical, qui est le producteur de l'épidiolex et qui a mené des études dans le syndrome de Dravet, le Lennox-Gastaut. Tout ça, c'est des formes d'épilepsie sévère congénitale. Et enfin, on a les produits Bedrocan. Alors là, du coup, c'est directement les fleurs. Donc, c'est des fleurs de chanvre qui sont standardisées. Vous avez, vous voyez en bas à droite, le diagramme qui montre que la standardisation, c'est-à-dire que pour produire des fleurs médicales, il faut vraiment que toutes les fleurs aient la même concentration en principe actif. Il faut que ce soit un produit standardisé. Et donc, ça implique des conditions de culture type laboratoire. On ne peut pas faire ça en champ. Produire de la fleur médicinale, ça se fait dans un laboratoire, ça se fait en intérieur. Ça ne peut pas se faire dans un champ. Mais là, je vous parle de la fleur brute. Après, si on fait des produits transformés, bien sûr, on peut utiliser les produits bruts, des chanvriers, si on transforme le produit en huile ou en solution buvable. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, je voudrais juste conclure sur le fait qu'il faut vraiment qu'on développe la recherche. Bon, il y a déjà eu un bon boom de la recherche depuis une vingtaine d'années. Hein, on a aujourd'hui plus de 20 000 références à l'heure actuelle. On a pas loin de 900 études cliniques, dont 120 qui sont des études robustes, randomisées, multicentriques, en double aveugle. Donc le gold standard. Voilà. Il y a de nombreux rapports de cas, de nombreuses études précliniques, mais il faut surtout maintenant faire surtout des études cliniques, c'est-à-dire faire des études testées sur nous et puis sur les modèles animaux. Quoi. Voilà. Merci. Olivier. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, c'est éminemment complexe. On ne s'attend pas forcément à ça quand on parle du chanvre thérapeutique, donc à usage médical, CBD, CBG, THC, enfin bon, bref, voilà. Donc, avant de passer la parole à Béchir qui interviendra tout à l'heure sur le numéro juridique, on va prendre d'abord quelques questions. Je sais que dans la salle, il y a aussi des gens qui, effectivement, des témoignages, qui sont là, des gens qui viennent même parfois de très loin. Et puis aussi, n'oublions pas que dans le projet, il y a aussi une partie économique. Et donc, il y a aussi des gens qui sont dans la salle par rapport à ça. Le président de la Chambre d'agriculture est arrivé tout à l'heure. Merci pour sa présence parce que voilà, c'est aussi cet aspect-là qui nous intéresse. Nadine, ouais, puis après. Arrêtez le premier. Oui, bon, excusez-moi. Oui, ben, bonsoir à tous. Je m'appelle Jean-Baptiste Bournavaux. Donc, je n'ai pas de questions particulières à poser. C'était juste pour apporter un témoignage. Car moi je suis au suivi au CHU de l'image par le professeur Kim Lee, qui est un professeur de médecine interne, un petit génie d'ailleurs, hein, et qui m'a découvert il y a quelques années une pathologie auto-immune extrêmement rare qui se nomme polychondrite atrophiante chronique. Hein. Donc qui m'a empêché d'avoir une mobilité complète pendant un certain temps, qui par la suite avec des efforts personnels et puis une volonté a permis d'avoir une amélioration. Et donc je me suis orienté il y a quelques temps, et ben, comme dans votre exposé que vous avez diffusé, de l'huile de CDB avec également de l'huile de CBN et puis de CBC. Moi. Donc et grâce à cela, je n'ai quasiment plus besoin de prendre d'oxycodone, car j'étais malheureusement un consommateur forcé journalier. Et également plus de prépagaline et puis plus et certains d'autres médicaments que l'on a supprimés. Et même on a réussi à diminuer par deux un produit qui s'appelle de la disulone, qui est donné dans quelques cas de ma pathologie. Donc on est 3 à 4 par million à l'avoir. Et également la lèpre. Hein. Et donc c'est la Dapsone avec l'oxylate de fer qui est un immunosuppresseur. Et on a réussi à diminuer par deux. Et depuis, il y a un confort qui est franchement formidable par rapport à ce que je connaissais auparavant. Quoi, hein. Et sachant que j'ai également d'autres pathologies auto-immunes, comme un dérivé de Crohn également. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont très très intéressantes dans ce que vous avez montré. Et grâce notamment au CBD également, parce que bon, le THC joue beaucoup. Mais au CBD, vous pouvez avoir un meilleur confort et qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand on subit certaines choses de ces pathologies. Merci, merci pour votre témoignage et le courage d'abord. Est-ce que, ouais. Est-ce que je peux vous demander où est-ce que vous achetez vos produits ? Donc alors je les fais venir de Pays-Bas, mais c'est sur un site qui s'appelle, mais qui est totalement. Mais si, mais justement. Donc parce que c'est entièrement légal en France, donc une entreprise qui s'appelle CB Dispensaire, hein, et qui est localisée en Haute-Savoie.
mais étant donné que dans ces produits, il y a moins de 0,3% de THC qui est la norme en France. Hein, 0,2, oui. Donc, vous pouvez l'importer comme vous voulez. Quoi. Il n'y a aucune loi qui vous l'interdit. Hein. Bon, alors moi, je voudrais poser une question. Est-ce qu'après avoir consommé du cannabis, on peut prendre le volant sans danger pour les conducteurs qui arrivent en face? Et je voudrais dire aussi autre chose, je voudrais donner un témoignage. Donc, en juillet 1985, un copain à moi est mort dans les virages entre Guéret et Sainte-Fère. Alors, pourquoi est-il mort? Il partait en vacances avec nous, donc moi avec mon mari, on était en voiture, avec mon fils d'un an, et lui, il nous suivait trois voitures derrière, dans sa 4L. Et un conducteur est arrivé en face. C'était un représentant de voiture qui avait vendu trois voitures dans la matinée. À chaque fois, il avait pris un apéritif. Alors, il n'était pas ivre, mais il était euphorique. Et il doublait dans les virages, et accident. Donc, mon copain est mort. Accident à 2h30 de l'après-midi, il est mort à l'hôpital de Guéret à 8h30 du soir. Alors, en effet, il n'était pas ivre, mais il était euphorique. Et donc je voulais donner ce témoignage. Et je voulais aussi demander aux représentants du préfet, pourquoi n'y a-t-il pas de ligne continue blanche dans ces virages? Certainement, ce représentant n'aurait pas doublé s'il y avait eu une ligne blanche et mon copain serait toujours en vie. Mais je voulais dire autre chose. Donc, Eric Correa, je voulais lui demander pourquoi n'y aurait-il plus d'agriculteurs en Creuse? Alors, il y a beaucoup de jeunes agriculteurs biologiques qui sont prêts à venir s'installer en Creuse. Pourquoi dans le plan de revitalisation de la Creuse de Macron, l'État ne pourrait pas mettre un peu d'argent pour aider ces agriculteurs, ces jeunes agriculteurs biologiques à s'installer dans la Creuse, qui est un département préservé? Et moi, j'en connais, ils m'ont dit qu'ils étaient prêts à relever le défi et à venir s'installer. Voilà ce que je voulais dire. Et ce serait un bon développement économique pour la Creuse, un développement d'avenir. Merci. Donc sur le fait que de conduire avec cannabis, etc., je ne sais pas si Olivier pourra répondre. Il y a juste monsieur derrière. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'avoir organisé cette soirée. Moi, j'ai une question au niveau économique. Nous, on est une société française. On distribue des produits à base de chanvre parce qu'on pense que c'est l'avenir, notamment pour l'environnement. On n'en a pas beaucoup parlé, mais voilà. On propose des produits à base de graines de chanvre parce qu'on l'a dit, elles ont des vertus pour le corps. Et on distribue aussi des infusions qui comprennent de la feuille et de la fleur de chanvre. Et là, j'interviens au niveau réglementaire, puisqu'en fait, en France, on n'a pas légalement le droit de vendre de la fleur de chanvre. Et c'est un vrai problème. Nous, on essaie de faire du made in France. On doit se sourcer à l'étranger. On prend un risque réglementaire, hein, on le sait. Mais on réincorpore ces fleurs de chanvre dans des mélanges comme celui-ci, dans lequel il y a de la marjolaine, du tilleul, etc. Parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va redonner au chanvre sa place dans la consommation habituelle des Français. Pas sous un aspect vraiment thérapeutique pour le coup. Mais ma question, c'est de savoir quelle est l'idée derrière au niveau du projet qui est défendu en Creuse. Puisque on peut faire énormément de choses avec le chanvre, on l'a dit, mais suivant les caractéristiques qui vont être développées, on peut très bien avoir demain des multinationales qui viennent en Creuse, comme GW Pharmaceutical, comme vous l'avez dit, dans des grands labos où je ne suis pas sûr que les agriculteurs creusois auront des débouchés. Donc c'est un peu je voulais un peu savoir quelles étaient les formes que vous voulez donner à cette dérogation. Est-ce qu'au moins on pourra utiliser de la fleur de chanvre française? A priori, on est sur la bonne voie puisqu'on en a discuté avec
des collègues agriculteurs ici présents. Je me permets, je vous donne cet échantillon-là, vous goûterez. Moi, je voulais poser une dernière question. Une dernière question. Est-ce que le chanvre est une plante rustique qui peut se cultiver sans pesticides et sans glyphosate? Alors, tu aurais dû la poser la première parce que c'est une très bonne question. Effectivement, oui. Voilà. Là-dessus. Merci en tous les cas. Alors, vous trouverez le produit après. Alors, juste, Olivier pourra répondre par rapport au cannabis. Et puis, juste sur la question. Le volant. Oui, voilà. Question économique. On passera, on répondra assez largement après. Sur le volant. Tiens. Bon, le volant, c'est une question extrêmement délicate. Par rapport aux médicaments à base de cannabinoïdes, le Sativex a été testé. A priori, il a été éprouvé. Il n'y a pas de risque pour la conduite sur le Sativex. Là, sur le Sativex, on a un produit qui contient autant de CBD que de THC, qui a très peu de psychoactivité, du coup, et qui ne pose pas de problème sur la route. Après, un produit hautement titré en THC, on évalue un sur-risque, effectivement. Le législateur dit que c'est totalement interdit, c'est 2 ans de prison, donc conduite après avoir fait usage de cannabis sans notion de délai. Il y a des gens qui se retrouvent retirer le permis, ils ont fumé 2 jours avant, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'emprise, mais il se trouve qu'ils ont des traces dans le sang et donc on leur retire le permis. Donc il y a quand même une véritable chasse aux sorcières sur la route. Et je ne vais pas aller plus loin, juste dire que le risque, quand on est à 2,5 grammes d'alcool, le sur-risque est multiplié par 100. Quand on fait un SMS sur son téléphone au volant, le risque d'accident mortel est multiplié par 23. D'accord ? Quand on est à 0,5 g d'alcool, le risque est multiplié par 2,5. Quand on prend des benzodiazépines pour dormir, le risque est multiplié par 2. Et le cannabis, selon les études, on est sur un sur-risque, toutes doses confondues, entre 1,4, ce qui est non significatif, sur le plan statistique, et 1,8 pour d'autres études. Donc les études nouvelles font baisser ce sur-risque et donc finalement, on ne sait même pas dans quelle mesure on va sauver des vies si on interdit le cannabis au volant. Donc, a priori, ce n'est pas une question de santé publique, même si, individuellement, il peut y avoir des morts avec de la consommation de cannabis dans le sang. Mais est-ce que c'est ça qui est lié à l'accident? Les accidents, là encore, c'est multifactoriel. Et donc, c'est une question qui ne peut pas se répondre aussi simplement que ça. Merci. Olivier, oui. Excuse-moi. Juste pour ajouter une chose par rapport à l'accidentologie au cannabis, il faut savoir que quand il y a des accidents qui sont liés au cannabis, la majorité du temps, il y a de l'alcool qui rentre en jeu. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on boit de l'alcool et qu'on consomme du cannabis, on va multiplier les effets, on va multiplier les produits, on va multiplier les effets psychotropes. Et du coup, là, il y a de vrais dangers. Donc, alcool et cannabis, attention, danger. Alcool tout court sur la route, danger, quoi. Ouais, globalement. Juste par rapport à la question effectivement économique, notre objectif, enfin, l'objectif à un moment donné déployé, c'est bien pour nos agriculteurs en Creuse, voilà, d'accord, qui, je le rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, une majorité quand même, parce que c'est la majorité aujourd'hui souffre, parce qu'ils travaillent beaucoup et ils n'ont pas le fruit de leur travail effectivement en salaire. Donc c'est comment on réfléchit avec eux sur la diversification, etc. Donc après, il y a aussi un modèle à construire. Il y en a qui sont dans la salle, qui ont déjà une vision des choses, etc. C'est comment on est capable à un moment donné, parce que certes, moi j'ai demandé ça dans le cadre d'un plan pour la Creuse, il est bien évident qu'à un moment donné, bon, ça risque, d'autres départements se positionnent déjà, l'Orne se positionne déjà, etc., pour produire. Mais moi je suis en Creuse, j'habite en Creuse, je suis élu en Creuse, j'aime mon pays et je veux travailler pour le développement de mon pays avec d'autres. Quand je dis je, c'est en fait c'est ensemble. Donc après, c'est quel modèle on peut trouver pour que, à l'échelle d'un collectif d'agriculteurs en Creuse, ça puisse bénéficier à plusieurs, bien évidemment. C'est pas l'installation des multinationales que nous souhaitons, parce que je considère que c'est pas ça le modèle économique durable que l'on peut avoir sur nos territoires. Voilà, je sais pas si je réponds complètement à votre question, mais les agriculteurs pourront répondre, mais voilà. S'il y a d'autres questions, oui, puis après, il y a la personne qui représente l'AMPA aussi, ça serait intéressant de l'écouter. Juste une chose, parce que c'est un fait qui n'est peut-être pas connu par grand monde ici. En fait, en France, on est 2e producteur mondial de chanvre, voilà, après la Chine. Et ce qui est important de souligner, c'est simplement, en France, on peut utiliser donc le chanvre pour sa graine et pour sa tige. Donc la tige, on en fait beaucoup de choses, de l'isolant, etc. La graine, on en fait de l'alimentaire pour l'animal ou pour l'être humain. Mais voilà, il y a cette interdiction qu'il n'y a pas au niveau européen, au niveau de la législation, sur l'utilisation de la fleur de chanvre. Et ça, c'est un vrai problème et c'est vraiment là-dessus qu'il faut pouvoir avancer.
Bonjour. Valérie Lherbier, je suis animatrice de prévention à l'ANPA. On est avec les collègues et du coup une élue et un autre élu qui doit être caché quelque part. Voilà, c'est Guillaume Viennois qui est président de l'ANPA Creuse, c'est oui, ça, mais qui devait être ça. Là. Il est peut-être quelque part. Ouais. Ah, il faut que je me lève. Très bien. Pardon. Donc ANPA, Association Nationale de Prévention en alcoolologie et Addictologie. Pour petit rappel, donc, c'est une association nationale. On est dans tous les départements de métropole et d'outre-mer avec deux types de services. Un service de soins et un service de prévention. Donc le zéro prévention, il y en a un petit peu quand même, je tiens à le dire. Mais oui, c'est vrai qu'on est tous d'accord sur l'hypocrisie de « on a le droit de parler d'alcool, de tabac, de cannabis ». Non, chut, c'est interdit, c'est dangereux. Alors que non, pas du tout. Au niveau national, donc, nous, on est venus pour dire aussi notre positionnement parce que je pense qu'on est un petit peu comme vous. On se permet de dire à nos politiques un petit peu des petites recommandations. Et donc, par rapport au cannabis, on a deux points de vue. On a un point de vue sur le cannabis thérapeutique et sur le cannabis récréatif, qui sont bien deux choses à différencier. Et au niveau du thérapeutique, nous, on voudrait, et c'est un petit peu ce que dit la docteure dans le reportage, et aussi vous, monsieur, du coup, c'est qu'en effet, il y a plein de choses d'études, mais que pour l'instant, concrètement, personne ne s'est vraiment attelé à une vraie étude de longue durée sur un public bien cible. Donc ça serait vraiment quelque chose à faire. Et si, en effet, on dit « Ok, cannabis thérapeutique, d'accord, par contre, que ce soit dans des vraies bonnes conditions, comme pour un médicament normal, que ce soit prescrit par un docteur et que ce soit délivré soit par une pharmacie sur ordonnance ou par des centres antidouleurs, ou, voilà, que ce soit bien cadré et que du coup, il n'y ait pas confusion, un petit peu comme la dame disait dans le reportage, « Ben oui, mais moi, j'ai ce regard où j'ai l'impression d'être jugée par les gens parce que je suis toxicomane. » Non, pas forcément. Voilà. Ça serait un médicament. C'est ce que je voulais dire. Olivier, tu veux répondre ou on passe à une autre question ou... Ouais, une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Une position, ouais. Oui. Bonjour, je suis Charles Rebou, je suis membre de l'association Lin et Chanvre Bio. Alors, je travaille surtout sur la partie textile et papier du chanvre. Et en fait, par rapport aux législations sur le taux de THC, on se retrouve quand même... Un petit peu plus près, si tu peux. Voilà. À cause des interdictions sur le taux de THC, on se retrouve quand même avec des interdictions d'utiliser des variétés qui sont intéressantes pour le textile et le papier. Et donc, ça touche quand même à tous les sujets. Après, je suis suivi par le CHU de Bordeaux pour la spondyarthrite ankylosante. Et je dois dire que quand je vais mettre le chanvre pour me soulager, il faut qu'il y ait du THC dedans, parce que le CBD ne suffit pas. Voilà. Oui. D'ailleurs, je crois que les Israéliens travaillent depuis 25 ans sur le cannabis. Et notamment, il y a un professeur d'université, un chercheur, qui travaille depuis maintenant 3 ans avec une cohorte de 27 000 patients, qui travaille sur les cellules cancéreuses. Et ils se sont rendus compte que le THC était une molécule tueuse de cellules cancéreuses. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait... dans les médias, à un moment donné, c'était assez simple de dire que le CBD, c'est les bonnes vertus, puis le THC, c'est pas les bonnes vertus. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est la combinaison des deux qui fait que... C'est pour ça qu'en Israël, tu me corrigeras, qu'en fait, on fait des combinaisons taux de CBD et THC, mais on ne s'occupe pas des limites ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'effet recherché par la molécule sur un certain type de pathologie qui fait qu'on recherche là-dessus. Voilà. Mais encore une fois, on est bien alors sur l'ANPA, on est sur le cannabis thérapeutique, la recherche, etc., il faut dire... L'ANPA est une association effectivement d'utilité publique qui milite aussi effectivement pour une clarté et une transparence et de prendre faire une vraie pension pour les jeunes. Je veux dire juste un exemple que vous pouvez trouver sur Internet. Le Colorado qui a légalisé d'un point de vue récréatif et thérapeutique, on s'est rendu compte que la consommation de cannabis avait diminué chez les jeunes en dessous de 18 ans. Par contre, elle avait augmenté en Colorado sur les adultes. Et sur Washington, ça a diminué chez les jeunes et c'est resté stable chez les adultes. Tout ça parce que dans le tas de Washington, on a mis en place un registre. C'est-à-dire que tous les consommateurs, etc., pour une prescription, sont inscrits sur un registre et c'est un suivi, ce qui n'est pas le cas dans le Colorado. Voilà. Donc il existe aussi des modèles avec un peu de recul aujourd'hui, maintenant, qui peuvent aider à un moment donné de faire en sorte qu'on puisse aller vers une légalisation du cannabis thérapeutique, mais également un contrôle et un suivi. Parce que bien évidemment, ça continuera sur prescription médicale, comme l'a rappelé tout à l'heure Olivier Bertrand, avec une ordonnance spécifique, etc. etc. Voilà, on n'est pas dans le supermarché, même si aujourd'hui, en Suisse, on peut acheter à Lidl, partout, un certain nombre de choses. Après, moi, j'aurais une question
Olivier, on voit qu'il y a effectivement du CBD. Alors, il y a quelle peut être la différence entre quelque chose, un produit issu du chanvre qui est plus dans le bien-être, on va dire, et puis quelque chose qui soit vraiment dans le thérapeutique. Est-ce qu'il y a cette frontière-là ou pas ? Écoutez, Madame de l'ANPA, c'était bien une frontière assez étanche. Moi, personnellement, je pense que la frontière est au contraire, est pas étanche. Elle est très poreuse, effectivement. Voilà, je cherchais le mot. Si vous voulez, il y a un effet thérapeutique qui est clair dans des pathologies comme la spondylarthrite, la maladie de Crohn, l'épilepsie. Les gens sont malades. Ils ont besoin de prendre des médicaments. Donc là, la question, elle ne se pose pas. C'est des malades, ils prennent des médicaments. Ils vont essayer le cannabidiol ou le THC. Ils vont peut-être réduire la posologie de leurs médicaments. Eux, c'est bien des malades. Après, il y a effectivement dans la consommation, il y a énormément de gens dans la population qui ne sont pas malades, qui ne prennent pas de médicaments. Mais peut-être qu'ils consomment un joint le soir justement pour éviter de prendre un somnifère. Donc on a un usage qui est un petit peu autothérapeutique et on sait qu'on consomme les produits aussi, hein, que ce soit l'alcool, le tabac, et bien finalement pour soulager les tensions internes, pour soulager une petite anxiété, soulager le stress. Et donc, est-ce que soulager le stress, c'est thérapeutique, c'est autothérapeutique, est-ce qu'on est dans l'usage médical? Je dirais pas vraiment, mais on est quand même dans la question du bien-être. Donc pour moi, la frontière est très, très poreuse, quoi. Et si on avait un regard plus empathique envers les usagers de drogue, qu'on s'intéressait plus à leur motivation d'usage, eh ben peut-être qu'il va tirer des bénéfices du plaisir, peut-être qu'il va tirer des bénéfices identitaires, qu'il va pouvoir s'affirmer au sein de son groupe de pairs, en étant par exemple le producteur du groupe. Donc il y a tout un tas de bénéfices qu'il faut s'interroger sur pourquoi nos patients consomment du cannabis. Et quand on s'interroge et qu'on se pose les bonnes questions, on arrive un petit peu à mieux comprendre et finalement à mieux aider notre patient. Monsieur Correa, j'ai une question s'il vous plaît. Quelle est l'intention de ce soir? Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Et éventuellement, qu'est-ce que vous attendez de nous qui sommes dans cette salle? Merci pour la question. Bonne question. Voilà. D'abord, le premier objectif était effectivement un petit peu d'expliquer pourquoi la démarche en creuse et pourquoi à un moment donné j'ai fait cette proposition-là au président Macron. Ça, je crois que c'était important parce qu'on le fait à travers les médias, mais tout le monde ne lit pas les médias, etc. Et que moi, je pense qu'il faut aussi échanger avec la population, avec les citoyens, parce que je considère qu'aujourd'hui, par rapport à la question du cannabis thérapeutique, notamment, les citoyens sont beaucoup plus en avance que les politiques. Voilà, il y a une maturité, j'ai pu le voir une fois que j'ai fait cette proposition, en rencontrant des gens dans la rue. Je m'attendais à ce que... j'ai mon prof d'allemand, par exemple, un jour, qui m'a chopé 74 ans, je me suis dit, putain. En fait, pas du tout. La population est bien plus mûre que les élus. Si vous regardez aujourd'hui, on est très peu d'élus dans la salle qui, à un moment donné, a pris position par rapport à ça. Et donc, c'est important d'échanger. Donc, le but, c'est aussi de faire la pédagogie, d'expliquer ce soir que vous... Et qu'est-ce que j'attends? Je pourrais dire qu'est-ce que vous attendez aussi de cette réunion. On a là, effectivement, des médecins, des gens qui sont bien plus pointus que moi sur le champ. Quand j'ai fait la proposition, à un moment donné, c'était juste un constat de soignant où, à un moment donné, des gens me disent « Mais moi, j'ai arrêté tout, je prends le cannabis, ça m'aide. » Donc, ça doit interpeller quand on est soignant. Parce qu'on est soignant, parce qu'on aime les gens, on veut aider les gens. Donc, qu'est-ce qui fait que demain, on puisse généraliser ça et en faire bénéficier à plein d'autres patients et dans un cadre légal? Je trouve scandaleux qu'on soit obligé d'être dans l'illégalité, se cacher pour se soigner. Il y a des gens dans la salle, je le sais, qui fument le soir parce qu'ils ont des pathologies chroniques. Est-ce que c'est normal qu'on les contraigne à être dans l'illégalité? Non. Donc il faut en parler à un moment donné. Il faut que ça devienne sur la place publique. Et il faut que ça devienne sur la place publique avec vous, avec les citoyens. Ça, c'est important. Voilà. Je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. Et puis vous, qu'est-ce que vous attendez aussi de ça? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on continue? Parce qu'on ne va pas arrêter là maintenant. Il y a vraiment un effet, effectivement, national. On a eu des témoignages. Bon, Normal, qui est une association nationale, je le rappelle, et qu'il faut soutenir, qu'il faut aider, à laquelle vous pouvez adhérer, parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. Ce n'est pas la proposition d'une personne à un moment donné, à un endroit. C'est clair. Il faut être lucide par rapport à ça. Donc c'est ensemble qu'on pourra non seulement avancer sur cette problématique humaine, le reportage l'a montré, c'est de l'humain avant tout. Voilà. Et deuxièmement, effectivement, l'ambition pour notre territoire, c'est comment on fait en sorte qu'il y ait retombées économiques chez nous, pour nos agriculteurs et pour tous les emplois
qui pourront se déployer à côté de ça, parce que c'est des emplois après pour la transformation, pour la, etc., pour le fabriquer l'huile, des gélules, etc., etc. Tout ça sous contrôle aussi, hein, rassure tout le monde. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire ça dans un coin de rue. Mais c'est aussi tout cet aspect économique-là des choses, parce qu'il existe, il est réel. Aujourd'hui, la Suisse crée de l'emploi. Il y avait un site internet, l'autre fois, on pouvait acheter de l'huile. Il n'y avait plus rien. D'accord ? Donc, il faut... Voilà, c'est parti. Donc, est-ce qu'on passe à côté de ce développement économique ou pas ? Moi, je ne le souhaite pas et je ne le souhaite surtout pas pour la Creuse. Est-ce que... Non, non, mais ce n'est pas la peine, mais... Non. Après, est-ce qu'il y a d'autres questions ? On change. Sinon, Béchir, qui a une présentation un petit peu plus juridique, parce que c'est vrai qu'on nous pose, excusez-moi, on nous pose souvent la question de ce qu'on peut faire ou pas faire. Par exemple, on voit dans la presse, il y a un magasin à Besançon qui a ouvert, où les douanes sont arrivées, ont tout enlevé, puis finalement ont tout remis, parce que c'était légal, conforme au cadre européen, etc. Donc c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, moi je ne sais pas répondre, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en France ou pas ? Est-ce qu'il y a une législation ? Tout ce qui n'est pas interdit, est-ce que c'est autorisé ? Voilà, ce qu'on appelle une législation grise un petit peu et tout. Donc Béchir, qui est spécialiste juridique à Normal, est là pour faire une intervention et puis après répondre à vos questions. Est-ce qu'on prend la question d'abord ? Où est-ce qu'elle est ? Bonjour, alors je m'appelle Aïda Masso, je suis agricultrice. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît parce qu'on... Je suis là. Oh pardon, excuse-moi. Je suis juste derrière. Oui, voilà, je me suis dit c'est la personne qui filme. Non, c'est pas ça. Non. Donc moi je suis agricultrice, je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales près de Boussac. Et effectivement, je suis très contente d'être là ce soir parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations par rapport aux champs thérapeutiques. Et forcément, en tant que productrice de plantes médicinales, ça m'est arrivé à deux reprises d'avoir des personnes qui m'en demandent. Et bien au contraire, c'était des personnes qui avaient plus de la cinquantaine, dont une qui était atteinte de sclérose en plaques. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir des informations pour savoir orienter les personnes parce qu'aujourd'hui, je suis incapable de leur dire où est-ce qu'ils peuvent en trouver, dans quel pays, en France, ou quelle forme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en recherchent. Il y a beaucoup d'agriculteurs aussi qui souhaitent se diversifier. Parce que comme la dame le disait tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, nous, on travaille, on fait des heures et des heures. Je suis en bio, donc on a des aides. Mais en fait, nous, on ne veut pas vivre avec des aides. On veut vivre de notre travail. Et si on peut diversifier avec des plantes, parce que moi, je suis dans les plantes notamment, mais de ce type qui sont intéressantes au niveau médical et au niveau économique, je pense qu'il ne faut vraiment pas s'en priver et que voilà, on soit tous ensemble. Et du coup, voilà, c'était surtout pour avoir des informations juridiques du monsieur qui est par là. C'est ça, c'est terrible. Ah oui, mais ça c'est terrible. Bon, de toute façon, j'en vois qui sont fatigués. Alors je ne vais pas vous faire peur, mais il pleut dehors. Donc de toute façon, vous êtes condamnés à m'écouter. Donc moi, je me charge des questions juridiques et politiques. Et donc forcément, j'interviens après une heure et demie d'informations complexes, nombreuses. Donc je ne vais pas non plus vous embêter avec mes trop nombreux codes, mes trop nombreux articles et mes trop nombreuses jurisprudences. Donc je vais essayer d'être le plus simple possible. Parce que s'il fallait que je vous explique le sujet en long, en large et en travers, il nous faudrait au minimum 3 heures pour faire simple. Donc on va essayer d'aller vite et donc je me suis positionné au fond comme un commentateur, comme un citoyen et la première question que je me suis posée quand on a été contacté par monsieur le président, je me suis posé une question simple, c'est vrai que monsieur le président ça fait, c'est pas mal, ouais, ça fait un peu distingué. La première question que je me suis posée c'est pourquoi cette décision, quelles sont les raisons de la folie ? Parce qu'au fond, c'est vrai que pour le coup, il y a 10 ans, si un élu de la Creuse avait proposé qu'on produise du cannabis pour relancer l'économie, mais ça aurait été considéré comme une forme de folie, de délire. Ouais, ça l'est presque encore un peu. Mais, mais grâce à vous, ça va changer. C'est ça, on essaye d'être là pour un peu crédibiliser la chose. La première raison, en fait, si vous pouvez passer à la slide suivante, c'est l'évolution internationale. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un certain nombre de pays, et ils sont de plus en plus nombreux, on voit une augmentation du nombre de pays au niveau du cannabis médical, qui ont régulé ces dernières années, et c'est un chiffre astronomique. Je ne sais pas si vous voyez l'histogramme, je vais y arriver, au niveau du graphique, on est quand même entre 2014 et 2018, au double de pays qui ont régulé, ce qui fait qu'on est face à une situation où tous les pays autour de nous et tous les pays de l'OCDE avancent sur la question du cannabis médical. Slide suivante, ce qui arrive au final, enfin ce qui nous permet d'arriver à 1,4 milliard de personnes à travers ces 37 pays dans le monde qui ont accès à des cannabinoïdes. Alors, ça va du Lesotho en Afrique du Sud
au fin fond du Canada, en passant par l'Allemagne, la Suisse, on a cité énormément de pays, je vais passer là-dessus. Et donc au fond, nous, quand on s'est posé la question du cannabis médical et qu'on a travaillé un peu dessus, on a essayé de voir, au fond, très bien, il y a des pays, on nous dit que c'est une plante miraculeuse, ou en tout cas on nous dit que c'est une plante qui a des vertus thérapeutiques, combien de personnes sont concernées ? Alors, selon les grands chiffres, donc en fait, si vous voulez, on a fait une étude sur 20 pays parmi les 37 qui ont régulé, on se rend compte qu'entre 3 et 5% de la population est concernée. Ça va des règles douloureuses aux douleurs chroniques, ça représente un chiffre énorme. Et ce dont on se rend compte dans la plupart des pays où c'est régulé, c'est qu'un peu plus de la moitié des personnes qui pourraient être concernées et pour être prise en charge par le cannabis, il y aura à peu près la moitié qui est en demande. C'est-à-dire que les États comme Israël, par exemple, mettent en place des formulaires et les gens peuvent s'inscrire sur Internet ou à travers leur médecin pour faire une demande et pour s'inscrire sur les listes d'attente. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est que, de manière générale, la moitié de la population concernée est en demande. Et en réalité, le chiffre le plus important, c'est la dernière fourchette, entre 0,4 et 0,6% de la population globale, dans un contexte, dans un pays où c'est régulé au niveau du cannabis médical, entre 0,4 et 0,6% de la population est prise en charge. Ce qui représente, au fond, en France, 2 millions de personnes qui sont concernées et un minima de 276 000 personnes à prendre en charge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du chiffre, c'est un chiffre énorme, ça représente une quantité énorme de produits à réaliser. Et quand je vous parle de 276 000 personnes à prendre en charge, c'est-à-dire que c'est le minimum, et là on parle des personnes qui sont pour des trithérapies, pour le VIH, le VHC, pour les maladies les plus graves, les maladies de longue durée. Donc on est face à une situation véritablement où on est dans un besoin majeur en France de cannabinoïdes pour cette situation-là. Par conséquent, je me suis dit, très bien, il y a l'urgence française, il y a les avancées mondiales, mais alors qu'est-ce que ça apporte pour la Creuse ? Eh bien, en fait, on se rend compte qu'il y a une urgence locale, celle d'une nécessité de relancer la dynamique creusoise rapidement. Et au fond, la réponse du cannabis est une réponse qui est sans doute la plus pertinente, puisque d'une part, on est face à une faible densité de population, donc des espaces disponibles assez larges. On est face à un produit, le chanvre, qui nécessite très peu d'investissement, mais qui est très facilement rentable. Vous savez, on parle maintenant de l'or vert. Et enfin, on est face à une création d'emplois immédiate. Si demain, le gouvernement décide de mettre en place une entreprise en Creuse, les problèmes de GMS ne sont plus des problèmes. On est face à une augmentation, une création d'emplois qui va de 500 à 1000 emplois sur la première année. On est quand même sur des projections qui sont importantes à l'échelle du département. Mais au-delà de l'effet économique direct, il y a un effet économique indirect sur le plus long terme. Et j'aimerais bien parler ici quand même du tourisme, tourisme qui est quand même à renforcer. Il y a une double relance du tourisme. La première relance du tourisme, elle va se faire sur la taxation des produits. Forcément, les entreprises sont implantées, les gens consomment, donc on va taxer, on va avoir des impôts locaux, donc on va renflouer les caisses, donc on va pouvoir investir dans le tourisme, on va investir dans la restructuration, on va investir dans la culture, et donc, de toute façon, le territoire est plus attractif. Et le deuxième élément, c'est la question du tourisme, tout simplement un tourisme cannabique. C'est-à-dire que moi, par exemple, en digne bobo parisien, il m'arrive parfois de partir le week-end en voyage et je pourrais, aujourd'hui, bon, j'hésite entre Amsterdam et Bologne, et bien peut-être que demain... Avec une ordonnance. Alors moi, je parle de... C'est vrai que pour le coup, je ne suis pas concerné par cannabis médical directement. En tout cas, donc, si vous voulez, il y a un tourisme aussi qui est lié à, au cannabis. Et justement... C'est ça qui est intéressant, et je pense que ça va être l'un des enjeux de la discussion qu'on va avoir sur le plus long terme dans les prochains mois, c'est qu'au fond, certes, il y a la question du cannabis médical, et de toute façon, sur cette question-là, il n'y a pas de débat. Mais je pense aussi, sur cette question de la segmentation de l'usage en bien-être, il faut qu'on ait un... Moi, à mon sens, hein, c'est l'idée qu'on défend aussi au sein de Normal, il faut qu'on ait un produit qui soit un produit bien-être à 1% de THC, ou un produit ultra-light français, et à ce moment-là, ça pourrait permettre à des gens qui vont visiter... La Creuse ou Guéret précisément, et qui vont décider d'aller faire un tour dans un gîte où il y a du chanvre. Enfin, il y a la création d'emplois indirects à forte valeur ajoutée. Là, c'est les emplois qui sont liés à la recherche, c'est les emplois aussi liés au commerce de proximité. Donc, de toute façon, ça crée de l'emploi de manière indirecte et de manière générale, ça renforce l'attractivité du territoire. Je ne vais pas en ajouter. Alors, du coup, maintenant qu'on voit les éléments bénéfiques, on va se demander au fond quels sont les problèmes. Où est le problème au fond ? Parce qu'on a l'impression quand même que le dessin que je réalise est très joli, très beau, mais en fait pas du tout. Parce qu'on est face à un premier problème, c'est la législation actuelle. La législation actuelle est l'une des législations les plus dures, les plus répressives et les plus difficiles à accepter au monde.
Moi, je passe mes journées à travailler, à bûcher sur des conclusions et sur des défenses, sur des situations qui sont des situations de misère sociale. On est face à des gens qui se retrouvent devant un tribunal après un accident du travail et qui vont passer 4 fois devant le tribunal en 6 ans, qui commencent avec une voiture, une maison, une famille et un travail, et qui finissent sans rien et embrassent l'électronique parce qu'on a réussi à négocier à la dernière minute avec le procureur un aménagement de peine. On est face à une répression qui est féroce. Et plus vous êtes malade, plus vous avez besoin de cannabis, en tout cas pour les indications reconnues, et donc plus vous allez consommer, donc plus vous êtes susceptible de vous faire perquisitionner et de vous faire interpeller. Donc en fait, si vous voulez, ça représente quand même un tiers de mon temps de travail, de mon temps d'engagement, cette question de la répression. Donc forcément, si d'un côté on a une répression qui est aussi féroce, la production c'est pareil, hein. La production, c'est l'une des infractions les plus graves du code pénal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, quand vous passez devant un juge, vous êtes à égalité, quand vous produisez du cannabis à la maison, vous êtes à égalité avec un violeur et un terroriste. On est à 20 ans de réclusion criminelle. Ça monte à 30 ans si vous avez la catastrophe d'envoyer votre cannabis à un ami de l'autre côté de la frontière. Alors là, si vous avez du cannabis en Suisse, mais alors vous êtes considéré mais comme un terroriste, quoi. Donc, on est face à cette situation où même dans un cadre médical, la législation actuellement est particulièrement prohibitive. Tout à l'heure, on discutait des produits qui sont prohibés. En fait, d'un point de vue du droit, tout est prohibé. Je veux dire, on peut discuter de, éventuellement, il y a des tolérances, etc. Je vais vous lister quand même les éléments. Mais aujourd'hui, si vous vous retrouvez face à un juge qui est non conciliant, le juge, dans tous les cas, il pourra vous condamner. Et donc, c'est pour ça que nous disons, a priori, et c'est vrai que c'est un peu un discours alarmiste, légaliste, mais c'est aussi notre rôle de le dire, attention quand vous consommez, attention quand vous produisez, attention quand vous avez un produit avec vous, puisque de toute façon, vous risquez constamment, vous encourez des poursuites judiciaires. En revanche, et là je vais tempérer quand même mon propos, il y a certaines choses qui sont autorisées, il y a certaines choses qui sont tolérées. On recommence, enfin disons qu'on commence véritablement à élargir de plus en plus la législation et le cadre de ce qui est autorisé. D'abord, on a vu des agriculteurs, le chanvre industriel est autorisé. Alors attention, pas tout le chanvre industriel, pas les fleurs, pas les feuilles, donc simplement les tiges et les graines. Je vous laisse imaginer le capharnaüm que ça représente. On autorise aussi, de manière très hypocrite, la vente de graines dites de collection. Donc en fait, ce sont des graines qui sont achetées par collection et qui ensuite sont plantées dans les balcons parisiens, dans les jardins ou au fin fond des Cévennes, ou même à Guéret, j'en ai vu tout à l'heure en arrivant, qui sont en fait... nous avons pris des photos. peut-être d'ailleurs que la communauté d'agglomération y participe. Non, très, très sérieusement, on est donc face à quand même à une situation d'hypocrisie, puisqu'en réalité, sur les 800 000 personnes qui consomment quotidiennement, on est à 7% de personnes qui produisent à la maison, ce qui fait que ça représente l'autoproduction est très présente en France. Et donc là aussi, on est face à une situation assez difficile. Ensuite, on a des tolérances. Juste, excuse-moi, Béchir, sur l'autoproduction, je crois que l'Italie autorise... à des gens qui ont des pathologies, de pouvoir produire chez eux jusqu'à concurrence. Voilà, mais ça c'est merveilleux. L'Allemagne, pour un usage compassionnel, depuis... En Belgique il y a un certain nombre de pays... ouais, c'est... Un pied, d'accord. Ce qui est déjà... Non, c'est vrai que ça représente pas une consommation annuelle, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de pays qui autorisent l'autoproduction, et ça, on en parlera après. Au niveau des tolérances, pour qu'on soit très clair. Donc, ce qui est interdit, c'est tout. Il y a 2 autorisations, le chanvre industriel, la vente de graines. Et ensuite, il y a une tolérance sur les tisanes, sur les fleurs de CBD ultralight, quoiqu'il n'y a pas encore eu de contentieux sur la question. Donc moi, j'ai plus tendance à dire aux opérateurs économiques, aux PME, aux startups, aux entreprises, de faire attention sur la vente, parce que très clairement, ils vont prendre 3 entreprises, ils vont les clouer au pilori, ça va être catastrophique au niveau des condamnations. On l'a vu avec l'affaire Canavap en janvier. Donc moi, je pense qu'il faut faire preuve de prudence par rapport à ces questions-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça commence à s'élargir, donc peut-être qu'on devrait prendre le risque aussi. Ça, c'est un sujet qui reste en suspens. Il y a une tolérance sur les produits ne contenant que la molécule de CBD, c'est les huiles de CBD par exemple, etc. Là, pour le coup, c'est une tolérance qui est assez large, on ne prend plus trop de risques. Et il y a une tolérance sur les cigarettes électroniques où là, véritablement, il n'y a plus trop de contrôle. Donc ça, c'était la première limite, c'est la législation actuelle. Vous vous rendez compte que c'est une législation qui est quand même très encadrante, donc ça fait peur. La deuxième limite, c'est la volonté politique. Alors la volonté politique, d'abord, c'est parce que les 4 personnes qui pourraient faire avancer les choses, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, ancien maire de Lyon, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, ou encore Édouard Philippe, Premier ministre, se sont tous les 4 exprimés contre toute forme d'avancée, de transformation sur la législation. En revanche, on y a quand même un tempérament, toujours. À chaque fois, j'essaie d'apporter des tempéraments. Le premier tempérament, c'est qu'on est en creuse.
Et c'est pour ça qu'on a soutenu Monsieur Correa assez rapidement, c'est parce que justement, on considère qu'il y a un ticket à prendre, pour reprendre cette expression familière, puisque le président de la République, depuis Paris, a donné son feu vert et a demandé aux élus d'être inventifs. L'autre élément qui est quand même assez important aujourd'hui, c'est une forme d'alignement des astres qui forme une forme de belle constellation, c'est qu'on entre dans un véritable rapport de force médiatique. Vous regardez les médias qui sont présents ce soir, vous avez vu les nombreuses couvertures, les nombreuses présences dans les médias, ça crée un rapport de force médiatique et ça devient du coup une proposition sérieuse parce que c'est aussi soutenu par les médias. Et enfin, oui, on parle d'un projet original mais qui apparaît comme sérieux. Alors on va avancer vite. Quel est au fond... Quelle est la situation? Juste Béchir, quand même, il y a une position du président de la République, Macron, si on tape Macron cannabis dans YouTube, où il dit, il y a un an, où il dit qu'il n'est pas contre à étudier la légalisation complète, à étudier des effets que ça pourrait avoir. Vous tapez sur YouTube Macron cannabis et vous trouverez. Après, alors ça, c'était une réponse à une interview sur France Info. Ouais, aussi. Après, oui, mais de toute façon, ça peut être un, je pense que ça peut être un sujet. Et peut-être que Emmanuel Macron est secrètement pour la légalisation. Et je pense que ça peut être pertinent, éventuellement, si jamais c'est le cas, d'utiliser ce projet comme un argument. Donc, est-ce que je passe? Oui. Oui. Alors, et puis après, on revient à une série de après, questions. Je vais essayer de faire vite, je vais finir rapidement. Ouais. Alors, au fond, quel est notre objectif au sein de Normal France? Notre objectif, au fond, nous, c'est que l'État autorise les entreprises à produire des médicaments basiques, que les patients puissent produire eux-mêmes, donc qu'ils fassent de l'autoproduction, et que les patients puissent s'organiser entre eux en mettant en place des cannabis medical clubs, sur le modèle espagnol. C'est-à-dire que c'est des gens qui se mettent ensemble sous le giron d'une association, et donc ils peuvent produire leur cannabis. Ça, c'est notre objectif au sein de Normal France, c'est ce qu'on défend, et c'est l'objectif sur le long terme qu'on essaye de se fixer. La première hypothèse de régulation, la première hypothèse de transformation, c'est le modèle habituel. C'est-à-dire que l'État autorise les entreprises à produire, les pharmacies distribuent, vous, en tant que malade, vous allez voir votre médecin vous donne une ordonnance, vous allez récupérer dans une pharmacie. Le problème de ce système, c'est toute la problématique au niveau du circuit des médicaments, parce qu'on est face, comme on le disait, à des conservatismes, à un blocage des autorités de santé, et donc forcément, ça va prendre des années encore et encore pour y parvenir. Donc pour lutter contre ça, on a deux manières d'agir. On agit sur les malades, en leur apportant des réponses, en ayant une sorte de call center où on répond à leurs appels. On a environ entre 3 et 5 appels chaque jour de patients qui nous demandent comment est-ce que je peux faire, etc. Parce que ce qui est intéressant et ce qui est pertinent, je pense, sur cette question-là, c'est que le patient, la personne qui est prise en charge, devient l'expert. Qu'on est face à des situations où les médecins ne sont pas suffisamment informés sur la question, et donc que ce sont les patients qui apportent véritablement, qui permettent aux médecins de comprendre. Et de l'autre côté, au niveau des médecins, on leur apporte à la fois de la formation, du contenu, des livres. Je vous en présente un rapidement, c'est le livre Chanvre en médecine, peut-être que vous ne le voyez pas au fond, mais Chanvre en médecine de Franjo Grothenermann. C'est un livre assez rapide à lire, qui vient d'être traduit en français. Je ne gagne pas d'argent quand je fais de la pub sur ce livre, et qui est particulièrement intéressant puisqu'il reprend un certain nombre d'idées, et pour votre culture personnelle, c'est toujours aussi pertinent. La seconde hypothèse, c'est l'hypothèse du député Olivier Véran. Olivier Véran est rapporteur général de la Commission des affaires sociales, c'est un membre de La République En Marche, et il a proposé une idée qui est que l'État met en place une liste d'indications pour lesquels le cannabis est autorisé. Donc, admettons, chaque année, l'État va dire si vous avez un cancer, si vous avez le sida ou autre, et ben donc dans ce cas-là, vous pouvez avoir accès au cannabis. Que l'État fasse produire du cannabis médical par une entreprise publique, c'est là où ça nous intéresse au niveau de la Creuse, parce qu'on pourrait très bien proposer que l'entreprise publique, elle soit en Creuse. Et enfin, l'État met en place un registre des patients du cannabis médical, ce qui fait qu'en réalité, ben, les patients s'inscrivent directement sur ce registre. On n'a plus besoin de passer par le grand circuit de tout à l'heure avec les blocages au niveau des conservatismes de la haute fonction hospitalière et médicale. Et donc, en réalité, le produit est ensuite distribué dans les pharmacies d'hôpital. Et nous, on considère que c'est une solution, en tout cas qu'on défend, qui est une solution intermédiaire, qui est une solution en tout cas pertinente. La troisième hypothèse, c'est celle sans doute qui va vous intéresser le plus, c'est celle qui concerne la Creuse spécifiquement, et c'est celle à propos de laquelle on pourrait commencer à discuter. En tout cas, moi, c'est une observation, c'est une projection que nous faisons. Il existe dans notre constitution un droit aux communes, aux départements, aux collectivités territoriales, un droit à l'expérimentation. C'est-à-dire que l'État peut, pendant 3, 4, 5 ans, décider de mettre en place une législation simplement sur une collectivité territoriale, comme un test, en fait.
C'est une disposition qui est apparue avec la réforme de 2003. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Et donc, en réalité, dans l'idée de cette expérimentation, c'est que d'un côté, l'État autoriserait la prescription de cannabis pour un usage compassionnel, c'est-à-dire pour les gens qui ont essayé tous les traitements et pour lesquels la plupart des traitements conventionnels ne fonctionnent pas. Et de l'autre, qu'il autorise la Creuse à produire du cannabis médical avec un budget, avec un soutien. Et à ce moment-là, ce seraient les élus creusois qui mettraient en place un projet, qui le feraient valider par le gouvernement. Et à ce moment-là, on aurait un laboratoire, peut-être creusois. À ce moment-là, ça se négocie sur le tard, mais je veux dire, que ce soit un laboratoire public ou privé, on s'en fiche un peu, qui va permettre justement de produire ce cannabis qui sera envoyé ensuite dans tout le territoire national. Nous, c'est la proposition qu'on soutient le plus, tout simplement parce que c'est une proposition qui est pertinente pour la Creuse, qui va permettre à la collectivité locale d'accompagner le produit de la production à la distribution. Ça va permettre au département de bénéficier du maximum, parce qu'au final, on va bénéficier à la fois des protocoles et de la connaissance pour les agriculteurs. On va bénéficier des scientifiques très nombreux. On va bénéficier des laboratoires. On pourrait même imaginer un pôle de compétitivité et de recherche sur la question du chanvre. De toute façon, ça va être un enjeu des prochaines années, des 10-15 prochaines années. Donc de toute façon, la Creuse pourrait devenir un département modèle laboratoire sur cette question-là. Et nous, de toute façon, c'est ce qu'on a envie de soutenir. Et enfin, parce qu'il faut quand même être un peu pessimiste, et si ça ne marchait pas, et s'il n'y avait rien, et si le gouvernement refusait, si la volonté politique n'était plus là, et si on se retrouvait seul, eh ben, il reste encore une solution. C'est que la Creuse peut produire un cannabis ultralight, mettre en place une politique compétitive déterminante, soutenir la permaculture, soutenir des agriculteurs qui vont aller dans l'ingéniosité, dans l'inventivité. Tout à l'heure, Charles de Gorfou s'exprimait. Charles dirige une entreprise où ils font de la recherche et du développement à fond et ils sont véritablement dans un développement qui est très important. Et justement, on est face à des PME, face à des entreprises qui font de la recherche et développement au quotidien. Et au fond, si vous voulez, certes, il y a le cadre juridique qui est très restreint, qui est très difficile, avec une volonté politique qui est féroce en face au niveau de la prohibition. Mais de l'autre côté, moi, ce que je vois, c'est aussi une volonté politique, une volonté locale. Si vous êtes aussi présents ce soir, aussi nombreux, c'est, je pense, aussi parce qu'il y a une volonté locale. Et très clairement, même dans un cadre comme le nôtre, on peut de toute façon parvenir à arriver à produire des produits, à mettre en avant de la recherche, de la formation, etc. Alors, au fond, madame disait tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous attendez de nous? Moi, j'ai envie de vous répondre ce que disait Léon Gontran Damas. Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup tout à l'envi sur cette vie stupide et bête qui nous est faite? Je vous remercie. Waouh, non mais il est bon. Merci Béchir. Très bon. Ouais, est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Oui. Donc nous, en fait, juste pour rebondir là-dessus, on n'est pas complètement fous. Tu rebondissais sur les aspects réglementaires pour les startups, etc. Et c'est vrai qu'il y a toujours une prise de risque. Donc nous, on est en train de finir de monter un syndicat. Donc moi, c'est Aurélien Delecroix. J'invite en fait à tous ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure à venir me voir pour qu'on puisse se regrouper et être une vraie force, en fait, un vrai lobby. Nous, on est accompagné, on n'est pas totalement fou parce qu'on est accompagné par le cabinet d'avocats numéro 1 sur la réglementation produit en France. Et justement, on est en train de monter ce syndicat pour justement pouvoir être une force de proposition aussi vis-à-vis des autorités et arriver à sortir de ce no man's land un peu qui concerne la fleur de chanvre en France. Donc voilà, je vous invite à venir nous voir. Merci. Et plus fort, plus fort on sera. Je vous invite à venir vous installer en Creuse, parce qu'en plus, on a un fonds pour les startups, pas de problème, on vous aidera. Et c'est à évoquer avec vous, Eric, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et on a des producteurs bio aussi déjà installés sur place pour le champ. Donc, en tous les cas, merci pour cette intervention. Madame là-haut qui me posait une question. Oui, pardon, Philippe. Ouais. Oui, au moins deux choses. La première, c'est que je suis moi-même élu local et membre de la Com d'Aglo, et de dire ici publiquement qu'Éric Correia, il n'est pas tout seul. Il y a un certain nombre d'élus qui soutiennent son initiative, dont je fais partie. Je sais que dans la salle, il y en a un certain nombre. Donc ça, c'est une première chose, et je voudrais souligner aussi l'intelligence
avec laquelle, je dirais, toute cette opération a été présentée, notamment ce soir. Parce que le risque était grand qu'on caricature notre département, on a un peu l'habitude, en nous disant, ça y est, où ils sont partis encore ceux-là, ça va être les babacous, le pétard au bec, etc. Et c'est vrai que la façon dont c'est fait, ça donne envie, effectivement, de changer les choses. Et je crois qu'on l'a vu, on l'a compris, il y a un aspect qui est complètement idéologique quand on parle de cannabis. Ceci dit, bon, ça a été évoqué, hein, faut pas se cacher les yeux. Il y a aussi des aspects quand même économiques et des enjeux, surtout, je dirais, économiques, notamment au niveau des grands labos pharmaceutiques, hein, on le voit bien. Donc ça, c'est un enjeu qui est énorme. Et puis, pour terminer, une autre chose que je voudrais souligner, c'est qu'on parle pour notre département de production. Je crois qu'on a effectivement les moyens, et notamment au niveau des agriculteurs qui sont présents. Mais je crois qu'il faudrait surtout, et je crois que là aussi ça a été bien évoqué, c'est qu'on ne tombe pas dans le travers uniquement de la production. Puisqu'on, c'est un peu notre défaut. Hein, regardez aujourd'hui notre département, et la région d'ailleurs, hein, l'ex-région Limousin, mais notre département, et un producteur de viande bovine qui est extrêmement important. Mais on se trouve un peu parfois dans une économie, je dirais, de pays en voie de développement. C'est-à-dire qu'on a du produit brut, et puis il manque la valeur ajoutée. Oui. Ça veut dire que si aujourd'hui on produit effectivement du cannabis et ses dérivés, il faut surtout se donner les moyens de le transformer. Et on a vu qu'il y a un certain nombre de produits qui restent nécessaires. Ça veut dire que ça peut être des labos, après, quelle que soit la forme, à voir, hein. Mais ça me semble assez essentiel. Voilà. Merci, Philippe. Donc, il y a la dame là-haut, Joigny, qui veut aussi intervenir. Et puis après, madame là-haut, après, je passerai la parole à Vincent Turpina, parce que on me demande souvent, elle pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'en pense le député ? Donc, on a son collaborateur qui est là, qui est aussi élu, qui est maire de Jarnage, et qui est aussi infirmier addictologue. Donc, je donnerai la parole tout à l'heure pour qu'il puisse s'exprimer. Alors, Joigny Chatou, je suis agriculteur sur le plateau de Millevaches et je me suis positionné dès le départ pour la position directe. Alors, non pas parce que je fume du cannabis, même si un jour un secrétaire général de préfecture a dit que j'avais une tête à fumer du cannabis, mais parce que pour moi, clairement, il y a un enjeu économique. On est plusieurs agriculteurs dans la salle, dont Marien aussi qui est là. Je pensais qu'il allait prendre la parole, mais je l'ai pris avant lui. On s'est vraiment positionné parce que pour nous, clairement, l'enjeu il est aussi économique. Et la terre, la Creuse a toujours été une terre de production de chanvre. Il y en a encore beaucoup qui est fait sur le département. Et il y a plusieurs possibilités, soit de le faire en plein champ, soit aussi de le faire sous serre, ce qui va être mon cas, puisque j'ai un réseau de chaleur, j'ai de la chaleur disponible. Donc j'ai pour projet prochainement de monter des serres et de faire de la production de chanvre sous serre. Alors, sous forme de CBD pour complément alimentaire, si on n'a pas la dérogation sur le thérapeutique. Mais dans tous les cas, il faut y aller, quoi. Donc moi personnellement, je fais le pas, j'y vais, je vais être disruptif, hein, c'est le mot à la mode, mais je crois qu'il faut l'être. Et avec aussi un objectif de formation, puisque l'idée c'est de monter des serres, de produire, mais aussi de former les futurs agriculteurs pour qu'ils puissent s'installer en production de CBD. Tout ça dans un objectif de monter une filière dans le département. Voilà. Merci, très bien, bravo. Madame là-haut. J'ai une question un petit peu avocat du diable. Alors le préalable, c'est que je suis complètement pour ce projet. J'ai aucun problème, ni moral, ni autre. Bien au contraire, économiquement, humainement, tout ce que vous voulez. Une fois ça posé, j'ai regardé ce qui se passait en Israël et notamment au niveau d'une grosse entreprise qui s'appelle Tikkun Olam et qui, voilà, qui développe beaucoup. Et quand vous regardez leur site de production, c'est là que je deviens un peu avocat du diable, ça fait un peu peur, quoi. C'est quand même des miradors, enfin, on parle quand même de chanvre. Donc derrière, il y a des notions de sécurité, il y a des notions de trucs qui ne sont pas super cool, hein, à regarder autour. Alors ce n'est pas juste les petits oiseaux, les trucs et les machins, c'est des gardes, c'est des miradors. Voilà, donc je voulais quand même poser ça à un moment. En dehors de ces... Ouais. Juste une réponse assez courte là-dessus. Au final, effectivement, il y a cet aspect sécurité, protection des cultures, protection de la transportation du produit, etc. Parce que ça représente effectivement des masses monétaires qui sont assez conséquentes. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que ça représente de l'emploi. En fait, ça représente de l'emploi. Ça représente, alors, sans avoir des gardes armés avec des M16 ou je ne sais quoi, il faut voir là-dessus l'emploi. Et après, plus
on va sortir de ce tabou, de cette hypocrisie latente, de tout ça. Plus le produit va être accepté par la société, moins, et puis au final le prix du produit va finir par descendre. Donc l'intérêt va finir par s'estomper. Et effectivement, c'est quand même une question qu'il ne faut pas mettre de côté. Il faudra de la sécurité dès le début, mais ça va dans le temps s'estomper. On le voit aux États-Unis, il y a eu beaucoup effectivement de demandes de sécurité. Moi je le sais parce que j'ai fait du conseil pour une société qui faisait de la vidéosurveillance, de la graine ou de la clone ou du clone jusqu'à la vente en dispensaire. Et tout était traqué par vidéo. Tout, c'est-à-dire qu'on devait avoir une image de la graine ou du clone jusqu'à la fleur qui était vendue en dispensaire. Et on devait être capable de le traquer en vidéo. Et ça, ça représente énormément d'activités économiques parce que ça demande des spécificités, ça demande du savoir-faire. Et du coup, c'est de l'emploi et c'est pas uniquement... l'emploi, il est connexe. C'est-à-dire qu'une activité va amener d'autres activités, des besoins et des spécificités, des compétences. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je vais revenir juste sur ce que disait Joanie. Truc très important, c'est aussi, moi je sais parce que je viens d'Oxford University, c'est vraiment tout basé sur l'éducation et on pourrait, pourquoi pas, imaginer un centre de formation avec des formateurs spécialisés sur ce que c'est que le cannabis, sur comment on l'extrait, sur comment on le transforme, comment on le produit. Et il faut savoir aussi que le cannabis, on peut le produire de façon bio, organique, en serre, sans utiliser trop de chaleur, sans utiliser trop d'eau. Il y a tout un tas de méthodes de production maintenant qui sont qui peuvent être protectrices de l'environnement. Il faut faire attention de ne pas non plus partir sur le tout, comme c'est le cas au Canada, où on voit des fermes immenses pour le cannabis thérapeutique, où il n'y a vraiment pas réellement de notion d'économie d'énergie. Mais ça aussi, c'est de la compétence, c'est de l'activité, c'est... Voilà, c'est l'emploi. Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Bien, merci, monsieur. Et puis après, Vincent, allez-y. Alors, je voudrais dire, je pense qu'il ne faut pas être juste réducteur sur la fleur, parce qu'en fait, il y a vraiment une notion de polyvalence qui est très importante à prendre en compte. Et si on arrive à faire des plantes qui font 4 mètres de haut et où on peut exploiter la fleur et la tige, c'est vraiment l'idéal, parce qu'on peut faire du coup des textiles, des papiers, des matériaux composites, des carburants même. Des carburants, oui. Et ensuite... Il y a peut-être des choses encore à trouver, à chercher. Oui, on en parlera. Ouais. Et ensuite, c'est que, alors là, ça parle de la Creuse, mais alors moi, je me suis retrouvé avec je travaille sur un appel à projet de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors des fois, tous les services de la région communiquent pas entre eux, mais il y a une vraie demande, en fait, sur ce qu'on peut faire avec le chanvre. Et là, en septembre, je dois rendre un appel à projet pour la région Aquitaine, donc ça va au-delà de la Creuse. Parlera, et ouais, puis, j'irai même au-delà de... Alors c'est bien d'avoir une zone, parce que ça va toujours du local au plus gros, mais que ça... Ouais, ouais, ça mais on pense local aussi. Là, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Bon, c'est local. Mais on peut trouver une maison. Viens la Creuse, c'est superbe. C'est le plus beau département de Nouvelle-Aquitaine, dans tous les cas. Donc, tu as tout à y gagner. Voilà. Ouais. Vincent, donc... Oui, pardon, excuse-moi. Oui, une autre question. Excusez-moi. Je voudrais savoir, en complément de l'action politique qui est menée par différents élus, comment nous, en tant que citoyens lambda, on peut s'engager pour que le cannabis ne soit plus... uniquement vu comme une drogue et que toutes les solutions qui ont été amenées, médicinales et en substitut au pétrole, comme ça a pu être, je pense, le cap sur le mariage pour tous et qu'on ait une avancée législative qui soit bénéfique pour toute la population française. En plus, avec 1 million de consommateurs environ quotidiens, je pense qu'il y a une vraie communauté qui serait prête à s'engager. Oui, merci pour cette question. Je confirme, vu le nombre de gens qui nous interpellent maintenant tous les jours... par mail, sur Messenger, effectivement. Donc, il y a une association qui s'appelle Normoul, qui peut jouer ce rôle-là, je vous invite. Ce n'est pas un hasard s'ils sont là. Moi, quand j'ai commencé à lancer ça, effectivement, j'ai tout de suite été en contact. C'est Olivier, je crois, qui m'a contacté le premier. Et puis après, Florent qui travaille pour Normoul, mais qui est de Brive. Donc, vous voyez que il y a une certaine émulation, on va dire, en ex-Limousin, je ne sais pas. Il y a dans la salle aussi quelqu'un dont je dirais le nom, mais qui, aujourd'hui, vend des machines pour l'extraction, je ne sais pas quoi, qui vend des machines en Californie, d'accord, et qui est une boîte qui est de Montluçon. La PME sur Montluçon, voilà. Donc vous voyez que finalement, il y a une certaine émulation, on va dire, au centre de la France. Voilà. Donc, et la Creuse est vraiment centrale, donc je vous invite encore à venir en Creuse. Mais il y a une association, effectivement, où moi je suis senti en phase tout de suite. Donc je crois que ça ne sert à rien qu'il y ait non plus beaucoup, mais parce qu'il faut à un moment donné vraiment être soudé, réuni autour d'une. Donc je pense qu'elle peut jouer ce rôle-là. Effectivement, alors en fait, on a l'habitude de dire tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
Normal, nous, on a cette logique-là. Et c'est surtout que nous, on ne va pas être, disons que la logique, en fait, l'image normale, etc., c'est un peu moi qui l'ai ramené aux États-Unis, c'est pour sortir effectivement du cadre qui était trop militant pour être plus porteur de plaidoyer. C'est-à-dire qu'il faut défendre ça au nom de, pas uniquement au nom des libertés, mais au nom de l'économie, au nom de la sécurité, au nom de l'humain, de la santé publique. Donc il faut sortir effectivement de ce cadre revendicateur usagé. On n'a pas besoin d'être usagé pour être pour la réforme de la politique des stupéfiants. La réforme des politiques de stup et la réforme des politiques sur le cannabis, elle profite à tout le monde. Tout le monde va profiter de la TVA, des cotisations à la CSG, de... je ne suis pas un spécialiste sur... voilà, CVAE, donc c'est vraiment, etc. La réforme, elle profite à tous. Et c'est là-dessus qu'il ne faut pas avoir peur de se prononcer pour être pour la réforme de la politique des stupéfiants, en l'occurrence sur le cannabis. Ce n'est pas parce qu'on est pour la régulation du cannabis. D'ailleurs, nous, on utilise le mot régulation, parce qu'on parle de régulation, pour éviter le terme, même si c'est de la légalisation, de la légalité de l'usage, de l'égalité de transformer, de commercer le produit. C'est réguler le produit, c'est-à-dire qu'on sait que ce produit, il n'est pas anodin, il n'est pas inoffensif, donc il faut mettre un cadre, mettre des règles autour de son usage, autour de sa distribution, autour de sa production, autour de l'économie qui va entourer ce produit. Voilà. Alors, en sachant aussi que pour être très très clair, parce que c'est important de dire les choses dans la clarté, il y a effectivement Normal milite pour la légalisation et thérapeutique et usage adulte, c'est ça. Or, moi, mon combat, il est à usage thérapeutique, pour être très clair aussi. Alors après, il appartient à chacun d'avoir sa position personnelle par rapport à tout ça. Okay, mais là aussi, je tiens à le rappeler, parce que c'est aussi clair et transparence. Moi, je ne juge pas. Chacun est libre de faire ses choix, mais aujourd'hui, on travaille sur effectivement l'utilisation et usage thérapeutique. Juste, on prendra d'autres questions, mais Vincent Turpina, donc, qui est le collaborateur parlementaire de Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse. Donc, moi, on me demande souvent, mais qu'est-ce qu'il en pense, votre député? Donc, je lui dis, il faut lui demander à lui, parce que je ne réponds pas à sa place, bien évidemment, même s'il a, depuis le début, une oreille et une écoute attentive. Il a été excusé tout à l'heure parce qu'il est dans son projet de loi, et il est présent à Paris depuis hier, et pour les 15 jours qui viennent, il rapporte. Mais son collaborateur est là, Vincent, et en plus, infirmier addictologue, donc il pourra se prononcer. Oui, merci Eric pour ces précisions. Je crois qu'elle était importante de bien préciser le thérapeutique et l'usage adulte, comme tu le disais. En tout cas, merci d'avoir organisé cette soirée. Je crois que c'était important parce qu'il y a effectivement une dimension de fantasme autour de ce produit et que c'est bien effectivement d'avoir des éléments plus ou moins objectifs sur l'utilisation de celui-ci. Alors, le député, donc, il aurait bien aimé participer à ce débat. Comme tu le disais, il est en plénière, en train de défendre la loi agriculture et alimentation. Effectivement, au départ, on n'avait pas spécialement envisagé de rajouter la production du cannabis thérapeutique dans le plan particulier pour la Creuse. Mais à force de persuasion, parce que Eric est très persuasif, mais moi-même, j'étais persuadé, on a effectivement discuté avec le député qui, aujourd'hui, est sur la partie thérapeutique, complètement en phase avec ce que propose Eric. Voilà. Donc c'est un élément et un projet qu'on va monter, qu'on va défendre et qu'on va auprès du président très rapidement, parce que effectivement, Eric l'a bien dit tout à l'heure, beaucoup ont flairé le filon, que le filon était bon, et que donc les premiers qui seront en capacité de se structurer et puis peut-être d'avoir ce coup d'avance, c'est-à-dire cette exception pendant quelques années sur le territoire creusois, nous permettrait effectivement peut-être de structurer une filière, Joanie l'a dit tout à l'heure, une industrie, parce qu'il faut aussi derrière mettre les mots, hein, une vraie industrie pharmaceutique en particulier, et puis faire de l'expérimentation peut-être aussi avec l'hôpital de Guéret, hein, pourquoi pas, à titre expérimental. Voilà. Donc on pourrait effectivement, par le biais de ce plan particulier autour du cannabis, donner une image positive de notre département. Voilà, parce que le risque, est, au départ, je craignais ça, c'est effectivement qu'on assimile ça à une démarche de Baba Cool qui vient de Jamaïque, ou d'ailleurs. Donc c'était un écueil qui était important. Donc les choses, au départ, étaient parties un peu dans ce goût-là, avec la presse qui partait un peu dans tous les sens. Et aujourd'hui, on voit que la réflexion, aujourd'hui, elle est complètement ordonnée, qu'il y a de vraies propositions. Et je pense effectivement qu'aujourd'hui, nous sommes prêts
pour les élus responsables à faire des propositions concrètes dans ce domaine. Alors, il y a deux niveaux de lecture, moi je l'ai bien entendu. Il y a le niveau de la modification à terme ou l'évolution de la loi en matière, en matière de stupéfiants. C'est une chose, c'est un débat national. On ne pourra pas avoir de choses particulières pour la Creuse à ce niveau-là. Il faut être vigilant et, voilà, et pragmatique. Et il faut aussi ménager les uns et les autres dans un premier temps parce que ce n'est pas facile de faire bouger les lignes. Ça fait plus de 45 ans que cette loi existe. Et on voit qu'à chaque fois qu'on la remet sur le tapis, c'est très compliqué, quels que soient d'ailleurs les clivages politiques, hein, droite, gauche. On voit bien que ça ne se situe pas à ce niveau-là. Ça ne se situe absolument pas à ce niveau-là. Donc, on laisse cet aspect-là de côté. Par contre, effectivement, mettre le paquet sur de l'expérimentation, sur de la start-up, sur notre département et sur aussi la prise en compte par les agriculteurs. Je suis très content que, je le salue aussi, le président de la Chambre d'agriculture soit venu ce soir. C'est vraiment, non, mais c'est vraiment très important. C'est un signe. Parce que voilà, c'est le signe que les choses bougent, que les lignes bougent et que, comme pour le reste de ce plan particulier pour la Creuse, si on est tous unis, si on est tous soutenus autour de projets comme celui-ci, eh ben on arrivera à quelque chose. Voilà. Donc c'était simplement ce témoignage. Mais sachez en tout cas que le député est sur la même phase que Eric en ce qui concerne la culture du cannabis sur notre département. Merci. Alors on va prendre encore la. Il y a une question ici, une question monsieur. Et puis après, parce qu'on doit libérer la salle, je crois, à 9h, donc on est déjà un petit peu. Je suis désolé pour la séance de ce soir qui est annulée. Voilà, bonsoir. Mais effectivement, on pourrait même y passer la nuit, c'est tellement riche. Je crois que Joannu a raison, effectivement, au-delà de l'aspect qui vous développez, la formation, parce que vous vous êtes rendu compte, effectivement, de la complexité qu'il y a dans tout ça, et c'est important de connaître. Donc il a raison de rajouter ça. Excusez-moi, allez-y. Non, mais il n'y a pas de problème. On a parlé d'économie, par contre, on n'a pas parlé du prix de vente, par rapport à quoi on se référerait. Voilà quoi. D'accord. Alors, et oui, également. À quand la réponse de M. Macron ? Non, ça, je pourrais pas répondre à la deuxième question. Sur la première, je prends juste un exemple c'est un think tank qui s'appelle Terra Nova, qui a fait une étude, je crois, en 2014 sur et si on légalisait le cannabis dans sa totalité aujourd'hui en France avec un prix qui serait contrôlé dans des magasins d'État. Ce que veut faire le Québec, hein, c'est des magasins d'État qui vendent, etc., donc avec des taxes et tout ça. Selon la consommation qui est aujourd'hui en France, c'est à peu près, à minima, 1,6 milliard d'euros de recettes pour la France. D'accord ? Et en partant du principe qu'en gros, on vend dans les magasins d'État à peu près au même prix que c'est aujourd'hui sur le marché. Voilà. Voilà, par rapport... Alors après, c'est trop compliqué. Par rapport au gramme ? Par rapport au gramme. Ouais, je sais pas comment ça s'achète. Alors, je peux pas répondre. Excusez-moi. Voilà. Mais c'était ça. Alors, Terra Nova, tout est disponible sur Internet. Il y a Génération Libre aussi, Gaspard Koenig, qui vient de sortir. C'était dans France Info aujourd'hui. Pareil, un autre think-tank qui vient de parler aussi de la même chose et qui demande la légalisation complète. Ce n'est pas notre combat. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, c'est très parlant. Il y a des chiffres. Et en gros, ils partent du prix qui existe aujourd'hui à peu près au marché noir. Parce qu'il faut aussi casser le marché noir à un moment donné et revenir sur des circuits. Voilà. Donc ça peut être un petit peu plus bas pour concurrencer. Mais voilà, il y a un équilibre à trouver. Ouais. Voilà. Oui, je vais poser une question, une là-haut. Et puis après, on terminera juste par un petit film qui est un témoignage. J'en profite aussi pour remercier tous les gens, d'abord présents dans la salle, mais ça j'ai fait, qui nous suivent sur Facebook, parce qu'on est en direct live sur Facebook. Pardon, excuse-moi, ouais, je t'ai pas vu. Oui. Ouais. Moi, j'ai fait mon calcul au niveau de remboursement de la sécurité sociale, parce que c'est important aussi quand on parle d'économie. Donc, je parle uniquement sur mon cas personnel. Je suis passé d'une moyenne de 500 euros par mois à 20 euros par mois. Donc, quand vous multipliez par le nombre de patients sur le nombre de différentes pathologies, ça peut être très, très intéressant. Mais après, est-ce que nos politiques sont prêts à sacrifier les lobbies pharmaceutiques contre le confort de leurs citoyens? Ça, c'est autre chose. Non mais il est évident que Philippe l'a abordé tout à l'heure, cette question-là, elle est sous-jacente derrière, bien évidemment. Hein, donc là-dessus, mais merci pour votre chiffre, c'était éloquent, parce que quand je parle de Terra Nova 1,6 milliard d'euros, ça n'inclut pas effectivement ça, c'est-à-dire que les bénéfices sur les caisses primaires d'assurance maladie, etc., les mutuelles et tout, ça n'inclut pas normalement aussi aujourd'hui les frais de justice. Je crois que c'est les frais de justice, il y a plus de 4000 personnes, je crois, qui sont en prison en France aujourd'hui pour détention de cannabis, y compris à usage privé et thérapeutique. Donc tout ça représente plus de 600 millions d'euros aussi de dépenses de l'État qu'il n'aurait plus à faire. Voilà.
Donc Mathieu, avec Maria, on est chambrier creusois. Depuis un petit moment, on a, avec une filière qui est déjà développée, une production pour l'isolation, pour l'oisellerie, pour l'alimentation animale, pour les huiles alimentaires humaines. Je veux simplement compléter en fait ce que j'ai entendu Joanny des élus. Je suis très content d'avoir vu le président de la Chambre d'agriculture ici. Ça souligne l'intérêt du projet. Et ça fait vraiment, ça nous fait plaisir en tant qu'agriculteurs. L'intérêt aussi des élus, vraiment, parce qu'aujourd'hui, nous, on est cultivateurs. On sait faire notre métier, on sait le faire bien. Pour le coup, nous, on le fait en bio. Économiquement, c'est difficile, on le sait. Et là, on a une vraie opportunité de développer à la fois notre métier, de développer notre territoire. Pour une fois, on pourrait être précurseur et peut-être arrêter d'entendre ce qu'on a écouté il n'y a pas si longtemps sur la Creuse. Voilà, on passe. Bon, bref. Voilà, donc je voulais. J'ai entendu qu'il y avait peut-être un représentant de la préfecture et dans la salle tout à l'heure. Enfin bon, voilà. Bon, bref, ça s'adresse surtout aux élus et. On a besoin de soutien, on espère vraiment que ça va se faire. Nous, on est prêts. On sait cultiver, on est prêts à le faire. On a besoin aussi du soutien des citoyens. Et derrière, une filière creusoise qui se monte, une économie qui profite à tous. Voilà. Ben, merci Mathieu. Je pense que tu as déjà... repris une partie de ce que je voulais dire. Donc moi aussi j'ai cultivé du chanvre pendant pas mal d'années et je reviens sur le diaporama là, du monsieur, le précédent. Oui. Voilà, il y avait les trois hypothèses. Non, il y en avait quatre. Oui. J'ai bien tiqué entre la troisième et la quatrième. Où serait la place des agriculteurs entre ces deux hypothèses? Je préfère la quatre. Parce que si le but du jeu, redynamiser les alternatives économiques en Creuse, oui. Bon, moi qui suis agriculteur, j'apprécierais aussi qu'on pense aux agriculteurs. Et dans l'hypothèse 3, il n'y a pas de place aux agriculteurs. La marge, comme disait un élu là, de la Comcom tout à l'heure, on fait des vaches, mais c'est la viande qui se vend cher. On fait des chanvres, du chanvre, on fait 1 hectare, 10 hectares de chanvre. Ça ne sert à rien de faire de la tige de chanvre si c'est le produit transformé qui se vend cher. Donc, il s'agit de que l'agriculteur puisse toujours maintenir sa marge chez lui. Si on passe par une entreprise d'État, la marge est ailleurs. Chez l'État, c'est bien, hein, l'État redistribue, et c'est très bien, mais ce sera moins chez le producteur. Il faut qu'on trouve un système qui permette à l'agriculteur de produire, transformer et commercialiser lui-même son produit. Alors justement, excusez-moi, ouais. C'est-à-dire que si le chanvre est uniquement thérapeutique et doit être calibré, comme le préconisent les normes de sécurité du médicament, alors l'agriculteur ne sera pas en mesure de ceci. D'où ça rebondit sur le problème du chanvre thérapeutique. Récréatif, est-ce que c'est flou? Est-ce que c'est franchement l'un, franchement l'autre? Doit-on tout autoriser, tout interdire? Ce que je pense, c'est que si on n'autorise pas un peu récréatif également, l'agriculteur ne pourra pas. Il va produire 2 hectares de chanvre et puis il va juste faire des fleurs, mais ça ne va pas bien se payer. La marge sera faite dans les labos, sous les serres, lors de l'extraction des molécules. Merci pour votre question. Je pense qu'on peut applaudir. Ouais. Alors, pour faire très simple et très rapide, nous, ce qu'on considère, c'est qu'évidemment, l'élément fondateur de ce projet, c'est évidemment que les producteurs puissent vivre de leur production. Et ça, c'est le béaba dans notre projet. En tout cas, c'est le béaba dans nos réflexions. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est très simple. C'est que, admettons, sur 2 hectares,
il va y avoir un hectare où ça va être très il y aura du protocole parce qu'on est quand même sur un médicament. C'est-à-dire que le produit que vous réalisez, c'est pas un produit qui va se retrouver dans un t-shirt ou dans un pantalon. C'est un produit qui va se retrouver, qui va être inhalé, qui va être ingéré par des gens qui sont atteints du sida, qui sont atteints d'un glaucome, qui sont atteints de pathologies qui sont très lourdes. Donc de toute façon, et ça nous le disons aux agriculteurs, dans tous les cas, il y aura des laboratoires pour encadrer. Ce sera obligatoire. Les protocoles, ils seront très restrictifs. Ils le seront moins que si on était passé sur une logique entièrement médicamenteuse, etc. Mais dans tous les cas, de toute façon, il y aura des restrictions. On considère ça ses premiers hectares. Et sur cet hectare-là, en effet, vous ne faites pas trop de marge. En revanche, c'est un produit qui, de toute façon, on vous assure, c'est l'État qui vous achète le produit. Donc, de toute façon, vous vous assurez d'une rémunération minimum en dessous de laquelle on ne peut pas passer. Et deuxième hectare, nous, on considère aussi que, justement, et ça, c'est aussi des questions de sécurité, on considère que, de toute façon, à un moment donné, il faut aussi ouvrir les yeux. Le 0,2% de THC, ça bloque la recherche et le développement. Ça bloque les agriculteurs de manière générale. Ça bloque, de toute façon, toutes les transformations, tous les produits. Et donc, par conséquent, il faut, de toute façon, qu'on rehausse et qu'on passe au moins à 1% de THC, ce qui fait qu'il n'y a pas d'effet psychoactif, qu'on peut avoir des produits light de bonne qualité et qui peuvent être consommés par la population de manière générale. Et donc, par conséquent, oui, on considère que vous allez faire votre marge principalement sur le deuxième hectare, mais je pense que pour l'équilibre de ce projet, il faut qu'il y ait une part de thérapeutique et une part d'un usage bien-être, et je pense que les deux fonctionnent ensemble. Voilà, j'espère que ma réponse est claire. Ouais. Elle était très claire. Merci. Donc, comme il faut qu'on rende la salle, il y a juste un petit témoignage qui dure 4 minutes qu'on va vous passer en vidéo. Voilà, et en sachant qu'effectivement, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, vous le voyez, mais que je pense que c'est parti, en tous les cas, il le faut. Et merci pour tous les témoignages, en tous les cas, qu'il y a eu dans la salle de gens qui utilisent. Effectivement, c'est très intéressant et très important d'avoir tout ça. Voilà, donc on va continuer parce que ça avant tout, c'est un projet humain et que ça en vaut le coup pour notre territoire. Voilà, donc on lance ça et puis après... On peut rester un petit peu dans la salle parce que je crois qu'il y en a qui veulent aussi discuter un petit peu entre eux. Et puis voilà. Merci encore à tous. On lance le. Ça va, maman ? Ça va, maman. Ça va ? Ça va. À peu près. À peu près ? Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler notamment du cannabis thérapeutique. J'ai fait donc un post sur Facebook. Oui. Voilà, j'ai fait cette photo que je t'ai montrée. Oui. Qui a soulevé beaucoup d'émotions, d'adhésions. Beaucoup de gens se sont-ils concernés ? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vu ? Une grande émotion. Déjà parce que c'est toi qui l'as fait. Et je pensais pas que ça pouvait se faire, en fait. Tu pensais pas que ça pouvait se faire jamais. Tu pensais pas que ça allait susciter autant de Oui, de je portée. Suis étonnée. Tu es étonnée ? Ça me fait du bien. J'ai un cancer du pancréas. Non résécable, c'est-à-dire que lorsqu'on peut opérer, c'est-à-dire que j'ai un cancer du pancréas qui est métastasé, j'ai des métastases sur les poumons, j'ai des nodules dans le foie, dans l'estomac, en bas des poumons, j'ai une vertèbre, la L1, qui est bouffée complètement par le cancer, et le fait que j'ai des métastases veut dire que je ne peux pas être opérée, donc je ne fais pas partie des 5% pour lesquels je peux avoir un espoir de survie. Je me suis mise au cannabis thérapeutique. Tu m'avais apporté, 2 mois après que j'attaque ma chimio, tu étais venue de Paris, tu es descendue me voir un week-end, et tu m'as dit, maman, il faut que tu fumes un peu d'herbe. Tu vas voir, ça va te calmer. Je ne t'en ai pas eu beaucoup, parce que je n'avais jamais fumé ça de ma vie. Pour moi, fumer de l'herbe, c'est fumer un pétard, c'est des gamins dans les rues, c'est de la drogue... Enfin, c'est l'horreur, quoi. Mais comme j'ai quand même pas peur de toi, je me suis dit, bon, si ton gamin te le dit, tu vas y essayer. Donc, j'ai fumé avec toi. Ça m'a fait un petit peu tousser au début. Et puis, on a passé une super soirée. Enfin, ça a dû durer au moins 6 heures. On a discuté. J'allais de mieux en mieux. J'étais en pleine forme. J'ai mangé les 3 quarts d'une tarte aux pommes que j'avais faite pour toi. Désolée, tu t'en as même pas rendu compte. J'ai mangé toute la soirée. Donc, ça m'avait ouvert l'appétit. Et j'étais... Alors, j'étais pas euphorique, j'étais pas spécifiquement, comme on dit, comme j'ai pu entendre, c'est pour ça que ça fait peur, que ça terrorise tout le monde, qu'on voit des éléphants roses ou je sais pas quoi, absolument pas. Je n'avais plus de douleur, ce jour-là, j'ai pas pris de Clipane, j'ai pas eu besoin. Et quand tu restais le lendemain, tu restais que 2 jours, on a réessayé, ça a fait pareil. Bon, je suis restée là-dessus, j'ai dit bon, c'est chouette, mais sans plus, quoi. Et puis, j'ai vu une émission sur Arte, Cannabis sur ordonnance. Et là, j'ai vu,
où j'ai vraiment été touchée de voir le nombre de gens qui se soignent et qui arrivent à guérir, enfin au moins à soulager les douleurs, notamment pour la maladie de Crohn, pour les gens qui sont atteints de sclérose en plaques, des gens qui font des crises d'épilepsie. Tous ces gens-là, avec du cannabis médicinal, puisque c'est autorisé aux USA, évidemment c'était filmé aux USA, parce que ce pays, enfin sur les, je ne sais pas combien d'États qu'il y a, je crois qu'il y en a plus de la moitié qui ont, donc, qui n'ont pas respecté le gouvernement fédéral et qui se sont autorisés eux-mêmes à ouvrir des officines médicinales qui vendent la marijuana sous différentes formes, des patchs, des gélules, enfin bon, peu importe. Et j'ai commencé, et là j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais ce qu'Olivier m'a fait fumer il y a 3 mois, ça peut peut-être m'aider. J'ai cherché, donc j'ai tapé CBD. Je n'ai rien trouvé en France qui le vende, enfin aucun site, j'ai trouvé qu'un site en Suisse. Je ne connaissais pas qu'on était aussi nombreux à rechercher ça et à être tous, comme moi, privés d'un médicament. Enfin, ce n'est pas un médicament, c'est une plante qui peut soulager énormément. Voilà, alors pourquoi te priver de ça? Tu as lancé ce post Facebook, il y a eu énormément de partages, énormément de gens qui l'ont vu, énormément de réponses, des gens qui m'encouragent, et des gens qui témoignent, qu'ils en prennent aussi, et ils en prennent, mais ils se cachent. Je suis obligée de me cacher, sinon je peux aller en tôle. Voilà, le problème il est là. C'est dramatique d'en arriver là. Moi je demande au gouvernement de légaliser immédiatement l'usage du cannabis à des fins médicinales. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas accepté en France. Bonsoir. C'est ma maman. C'est une interview que je suis Olivier Buisson, je suis membre de Normal et c'est pour elle que je suis ici. Ça fait 2 mois que je suis adhérent. Et pour moi, le cannabis thérapeutique, c'est une urgence. Et pour elle surtout, comme beaucoup de monde qui en ont besoin. Et voilà, c'est ça. En fait, j'ai fait un post Facebook le 4 février, c'était pour la journée contre le cancer, où j'ai fait un peu un coup de gueule parce que. Ben ouais, on risque la tôle, ma mère et moi, puisque évidemment, ben moi j'habite à Paris, elle habite près d'Avignon. C'est moi qui descends et qui risque, vous savez quoi, voilà, juste pour qu'elle aille mieux. Excuse-moi, c'est émouvant parce que c'est évidemment, ben c'est ma mère. Mais c'est aussi pour ça qu'on est là, et monsieur Courage, je tiens à vous remercier, parce que vous nous donnez l'espoir. Je tiens à remercier Normal aussi, qui fait un travail extraordinaire. Et si tout ce qu'on s'est dit ce soir vous a touché, vous a parlé, soutenez Normal, parce que vraiment, il est vraiment temps qu'on fasse, qu'on s'y mette, parce que quasiment toute l'Europe s'y mise, la moitié, l'Amérique du Sud à part le Brésil, la moitié des États-Unis, et pendant ce temps, moi j'ai ma mère, qui est hors la loi, voilà. Merci.